Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc nous voici dans Dagoranpa V2 Killing Harmony dans l'épisode. En fait, c'est l'avant-dernier épisode, je peux juste le dire comme ça va être plus simple. Je sais que c'est l'avant-dernier parce que. Qu'est-ce que j'allais dire? On est dans le dernier chapitre, donc c'est ça. On va finir ce chapitre. Ça va être le chapitre final. Je me demande vraiment comment ça se passait. Je me rappelle que Kibo, il a commencé à devenir pas fou, mais comme. Il s'est fait cogner par une roche, puis il a changé tout d'un coup. Je sais pas comment ça va se dérouler maintenant, mais je me rappelle qu'il voulait détruire l'académie ou je sais pas, peu importe. Donc on va tout de suite commencer l'épisode. Juste s'il vous plaît, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de commenter, de vous abonner s'il vous plaît, parce que plus de 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas nécessairement abonnés à ma chaîne. Et n'oubliez pas la clochette, comme ça serait toujours au courant quand les vidéos vont sortir. Et on commence la vidéo. Ah, je me présente. Hein? De quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien. Je m'appelle Makoto. What? Makoto? Je ne suis qu'un simple lycéen sans aucune particularité spéciale. Oh! Ok, donc celui qui tire la tête, oui, c'est moi. Je sais. Je suis banal et tout ce... Ok, je vais le laisser parler. Hein. I can't keep up with my classmates' conversations or the teacher's lectures. I'm just treated like empty space in the classroom. Ok, c'est qui lui pour de vrai là? At home, on me parle de lui. Constantly on my case. Ok. Honestly, I'm fed up. Ok, pour l'anglais, il a juste dit I'm fed up. En français, ils doivent dire un long paragraphe. Oh my god. I wanna run away from my daily life. Ok, mais c'est pas en faisant ça que tu vas changer les choses. Hein. I wanna run away and just forget all this. Je crois que je peux comprendre. J'ai déjà ressenti ça moi aussi. Ben, en ce moment, des fois, ça m'arrive là, mais je veux dire, I comme lui là, ouais. And run away. Il s'enfuit, on va rien changer. Run away and run away. And run away and run away. Okay. What the fuck? Là maintenant, tu souris comme un petit con. I have a reason to live. Something to look forward to. Et c'est... That's why I'm gonna be okay. Pourquoi il sourit tout comme ça? Thanks for the courage. Thanks for giving me something to get totally obsessed with. Thanks for the strength to keep going. Okay, what? I'll keep on rooting for you. So please keep trying your best. And... One day, I'll also... Quoi? En plus, ils mettent une petite musique toute contente. Genre, je sais pas comment vous expliquer, ça me fait tellement penser à Maple Story. Oh, pourquoi on revient avec comme ça d'un coup? What? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on venait de voir au final? Quoi que ça aurait été tellement été bien s'il avait fait ça dès le début, genre, Kibo. Je sais pas qu'est-ce qu'il a attendu. Pourquoi il a attendu à la dernière minute pour faire ça? Quoi? Le campus est en train d'exploser de partout. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, là-bas. Maki pointa du doigt le ciel. Ok. Oh! Donc c'est lui justement qui faisait ça. Ben je m'en doutais en fait. Mais... D'où sortent ces machines? Je pensais qu'il n'y avait même pas toute la science-fiction. Ah! Kibo? Eh ouais! Kibo, qu'est-ce que tu fais? Il est en train de voler, c'est de la magie ou quoi? Je ne sais pas pourquoi, mais il est en train de réduire l'académie en cendres. Si on n'arrête pas rapidement, on risque bien d'en faire les frais nous aussi. L'arrêter, oui, mais comment? Commençons par discuter avec lui, demandons-lui de nous rejoindre. C'est un peu risqué, mais appelons-le en allant au milieu du jardin. Oui, d'accord. Yo, franchement là, est-ce que vous auriez envie de parler à Kibo comment il est en ce moment là? Oh, hell no! Nous courûmes vers le centre du jardin au milieu des explosions et des flammes. Et honnêtement, je devrais même pas manger le gâteau, mais bon, pas le choix. Hii, on se croirait sur un champ de bataille, je peux même pas faire tellement aigu, donc je dois essayer de faire aigu, mais bon. Et puis j'en ai de l'appeler et de le faire descendre. Kibo, viens ici!
veut notre mort, quoi! Kibo, s'il te plaît, rejoins-nous, il faut qu'on parle! Je sais, mais il faut... Mais, ma voix est foirée, là. Donc, alors que nous hurlions de toutes nos forces, sembla enfin nous entendre. Il stoppa et commença à descendre vers nous lentement. Je sais pas si vous avez déjà entendu du gâteau forêt noir. Mais j'aime pas trop les cerises comme ça. Je trouve que j'aime mieux les vraies cerises. Comme ceux-là, ils ont l'air fake. Je sais pas comment ils font pour que ça devienne comme ça, là, mais... Ces cerises-là, je les aime pas trop. Ils arrivent. Ils arrivent. Ok. Oui. Genre, il y a un goût bizarre sur la cerise, mais je sais si on s'en fout, là. Oui, vous m'avez appelé. Je vous demande... Ouais, on a remarqué ça, là. Quelque chose d'important à achever. D'important à achever, non? What the fuck? Quelque chose d'important? Oui, je dois mettre fin à cette tuerie. Mettre fin à la tuerie. Regardez comment il est tout souriant et tout. D'une certaine manière, en apparence, il a pas l'air d'avoir changé. Je pense que c'est plus dans le coco qu'il est différent. Et pour cela, je dois détruire l'Académie des prodiges condamnés. La détruire? Oui, sans lycée, il deviendra impossible de poursuivre ce jeu de la mort. Et c'est pour ça que tu t'es armé comme ça? D'où est-ce que tu sors ces armes et ces réacteurs dans ton dos? Tout ce matériel se trouvait dans mon laboratoire de recherche. Dans ton laboratoire? J'ai customisé afin de décupler sa puissance. Et puis quand tu es capable de ce genre de prouesse, Kibo, il s'est passé quelque chose? Depuis, je croyais que tu ne voulais pas utiliser le matériel de ton laboratoire. Oui, d'abord, tu disais que les super robots, c'était pas ton truc. C'est vrai, je voulais qu'on me considère comme un être humain à part entière. Mais là, on est plus aux lamentations inutiles. J'ai pris ma décision, je vais détruire ce qu'on puisse y mettre un terme à notre calvaire. C'est maintenant que tu réalises, toi, mon cher. Yo, excuse-moi, là, mais on a pu mettre ses... comment dire ça? Son pré... Pas son sentiment, mais comment il se sent en tant qu'être humain, genre de côté, puis détruire l'académie dès le début, là. Oh, il aurait sauvé des millions de personnes. Ben, des millions de personnes. Plusieurs de ses camarades. Il n'y a plus d'oxygène ni le moins d'être vivant à l'extérieur. Notre seul moyen de survivre, c'est de rester à l'intérieur de cette navette spatiale. Parfaitement, tu veux notre mort, c'est ça? Malheureusement, il est trop tard. Comment? Monokuma nous a dit qu'il ne restait plus que le désespoir et que l'espoir n'existait plus ici. Je crois qu'il a malheureusement raison. Il ne restera que le désespoir pour qu'on nous continuera à nous entretuer. Attends, rien n'est encore perdu. Oui, nous ne sommes pas encore morts et notre amitié représente cet espoir. Switch a raison, utilisons notre force et battons-nous jusqu'au bout. Non, c'est inutile, vous l'avez constaté tout comme moi jusqu'à maintenant. Même si vous parvenez à stopper ce jeu, que comptez-vous faire après? Nous n'avons pas plus d'endroit où rentrer, la Terre a été détruite et l'humanité a disparu. Oui, peut-être, mais... Onikuma a raison, tout ce qui nous reste, c'est le désespoir et rien d'autre. Nous n'allons jamais pouvoir changer le monde seul, c'est impossible. Et l'unique solution qui nous reste, c'est de ne pas abdiquer devant ce désespoir. Et tu voudrais qu'on disparaisse en même temps que cette école, c'est ça? Je pense que c'est toujours mieux que de continuer à jouer le jeu de Monokuma. Tu es sérieux, là? Kaito et Kokichi ont sacrifié leur vie pour mettre fin à ces massacres. Et je suis persuadé que nous devons en faire de même. C'est encore ta voix intérieure qui t'a dit d'agir comme ça? Non, je ne sais pas pourquoi, mais je ne l'entends absolument plus. Tu ne l'entends plus? Oui, elle a disparu de mon esprit, je n'agis plus que de ma propre volonté. C'est bizarre. Et c'est juste quand il a reçu une roche sur la tête, hein? J'ai customisé ses armes et décidé de détruire l'Académie des prodiges condamnés moi-même. Nous sommes les élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir, nous ne le laisserons pas faire. Non, tu te trompes. Je me trompe comment cela? Il nous reste peut-être encore un endroit où à rentrer, tout espoir n'est pas perdu. Un endroit où rentrer, sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela? Je n'ai aucune preuve. Mais j'en suis sûr. J'en suis sûr, on croira entendre ce fichu imbécile. Oui, souvenez-vous de ce que nous a dit Kaito. Dans ce cas, Oma avait sûrement raison. Oh, ça, c'est vraiment aussi, je pense qu'ils seront regardés. Un jeu de la mort sans spectateur, je n'y crois pas. Oui, un jeu pareil sans personne pour la regarder, je n'y crois pas. La tuerie de l'Académie du Pic de l'Espoir a été diffusée à la télévision, n'est-ce pas? Et il se pourrait très bien que ce soit aussi le cas pour nous aujourd'hui. Les spectateurs se cachent forcément quelque part. C'est ni peut-être tout à fait envisageable. Je l'avoue, il est impossible de réfuter à 100% cette possibilité. Oui, et cette possibilité, c'est notre espoir. Comment? Il reste encore un grand nombre d'énigmes en suspens à cet endroit. Cela veut dire que nous sommes encore loin d'avoir découvert tous les mystères l'entourant. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser les bras quand ça en cours de route. Je retrouve bien de vos paroles le détective ultime que vous êtes, Suichi. C'est entendu, je vais vous faire confiance à vous de mettre fin à tout cela à votre façon. Kibo, je vous laisse jusqu'à la fin de la nuit, je n'attendrai pas plus. Quoi, jusqu'à la fin de la nuit?
cette nuit n'est rien de plus qu'une projection à l'intérieur de ce dôme. Si vous ne parvenez pas à tout résoudre d'ici là, alors je détruirai cette école et mettrai fin à tout. Oh. Ouh. Oup, oup, oup. À tout quoi? Ah, oh, Monokuma est de retour. Il est de retour pour nous cacher la gomme. Pour nous faire chier. Quelque chose me dit que c'est possible. Oh! Cause the killing game is forever eternal. Oh! Encore lui! Essayez de détruire cette école, vous ne trouverez pas qu'on vous... Vous ne trouvez pas que vous dépassez les bornes là? C'est une déclaration de guerre en bonne et due forme. Ne comptez plus sur nous pour nous... vous laisser agir comme bon vous semble. Tiens, ce robot, il est en panne ou quoi? Comment il ose se rebeller contre moi comme ça? On va le buter alors. Hell yeah! Un robot en morceaux, ça ne devrait pas me faire vomir. Papa, on peut lui régler son compte? C'est comme c'est beau la fougue de la jeunesse. Désolé, mais tu es un robot mort. Il est passé en mode combat. Dépêchez-vous d'aller vous réfugier en lutte sur cet endroit est dangereux. Kibo, ça va aller? Oui, je compte sur vous pour lever le voile sur le mystère de cette académie. Pendant ce temps, je m'occupe des exiles. Dépêchez-vous. Okay. D'accord. Ok, donc en gros, on doit chercher des indices dans l'école. Oh. Yo, si c'est pas... J'allais dire, si c'est pas les Teletubbies, c'est les Power Rangers. Hein. La manière que ça, qui parle. Je ne me laisserai pas faire. Cette tuerie touche à sa fin. Oh, excusez-moi. Je suis désolé en passant. In the name of Hope's Peak Academy, the symbol of hope itself. Ok. I will destroy the Ultimate Academy and bring down this monument to despair. Là tu parles, Kibo. C'est bourré de crème hein, pour de vrai. Vous allez voir que le campus de l'or. J'aimerais la crème, fuck that. Un peu trop là. Je sais pas si vous mangez des gâteaux, vous, chez vous, mais. Oh, je peux pas en manger autant comme ça là. Yo, je vais vous montrer tout ça. Yo, je vais vous montrer tout ça. God. Il y a tout ça de crème. Ah, attendez, j'ai pas montré le reste. Regardez le bout que j'ai enlevé là. Il y a tout ça, oh my god. Putain. Ça, tu peux avoir garanti la diabète. Pour nous, reprise cette arme à l'intérieur du robot pour nous mettre à l'abri des explosions. Excusez-moi, je mange en même temps et je parle. Je ne l'imaginais pas qu'un tel renversement des situations pourrait se produire. Un robot qui se rebelle face aux humains, je m'y attendais un peu. Mais pas comme ça. Mais pourquoi Monokuma lui a laissé de telles armes à disposition dans son laboratoire? Vous n'avez pas ça suspect? Maintenant que j'y pense, c'est vrai parce que genre... C'est que moi, il devrait pas laisser des armes aussi dangereuses. Et je n'aime pas... Je n'ai même pas peur. Que fait-on maintenant? Comme nous venons de le décider, nous allons devoir le lever le mystère sur cet endroit. Qu'est-ce qu'on doit chercher contrairement alors? Ça me semble évident l'identité du véritable instigateur de ce jeu. L'instigateur, mais tu es sûr qu'il en existe vraiment un? Si le monde extérieur est réellement dévasté, il se trouve forcément quelque part ici, non? Ce n'était pas au moins, il doit donc se cacher dans les environs. Mais je croyais qu'on était les 16 derniers survivants avec ce plan Gopher. Nope. Quelqu'un aurait très bien pu s'infiltrer ici sans que nous nous apercevions. Non. Moi, je pense que c'est parmi ceux qui restent là. Ça se peut que ça soit... qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié là. C'est pas Maki. Ça peut être très bien l'autre gars là. Enfin, l'autre gars. Comment elle s'appelle déjà la fille? J'ai oublié. Oh, j'ai oublié là. La petite sorcière. Sinon, c'est... ça peut être Kibo aussi. On sait jamais, hein. Quoique, je pense que c'est peut-être aussi Tsumugi, on sait pas. En tout cas, il faut réfléchir à tout ça. Right. Il s'agit de cet organisateur de cette tuerie, il se trouve obligatoirement ici, mais je pense pas que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Un remanant du désespoir, tu penses? Il y aurait donc un autre membre des remanants du désespoir ici? Si nous parvenons à le retrouver et à le tuer, tout devrait enfin prendre fin. Ils n'auront peut-être pas besoin de le tuer, non? Mais tu as raison, il peut très bien se cacher quelque part dans l'académie. Il est immense et il reste encore beaucoup d'endroits inexplorés. Right. Ça vaut le coup de chercher un peu, mais ce n'est pas la seule chose que nous devons trouver ici.
Oui, débusquer l'instigateur et le désespoir qu'il représente ne va pas être suffisant. Nous allons également devoir retrouver l'espoir dont nous avons tous besoin. L'espoir? Oui, un endroit où rentrer une fois que tout sera terminé. Je suis sûr que rien n'est perdu concernant le monde extérieur, à nous d'y croire. Ce qu'on vit, ce n'est pas de la fiction, ça m'étonnerait que ça se finisse aussi bien. Et si au moins de chercher, nous ne devons pas baisser les bras sans avoir tout essayé. Alors tentons au moins notre chance. Kibo devrait gérer les extras, nous n'avons pas à les craindre pendant ce temps. Cela devrait nous laisser les mains libres pour effectuer nos recherches. Tu as raison, nous n'avons pas le temps de tergiverser, il faut agir tout simplement. En nous serrant les coudes, nous devrions arriver à quelque chose. Oui, rien de compliqué. Rien n'est impossible, il suffit d'y croire jusqu'au bout, c'est tout. Maki. Oh, avec son petit sourire. Oh. Oui, parfaitement, tout est possible si l'on donne les moyens. Alright. Nous allons découvrir l'espoir et le désespoir cachés dans cette académie. Levez le voile sur la mystère qui pèse sur elle et mettre fin à cette tuerie. Comment ça start? Mais commençons par nous séparer pour agir. Hey, on ne reste pas ensemble, les solidarités dans tout ça. Nous n'avons pas assez de temps, c'est dommage, mais c'est comme ça. Ah, entendu, à tout à l'heure alors. C'est vrai, c'est mieux que c'est séparé là, parce que... S'ils mettent tout ensemble, et qu'ils fouillent toute la pièce chaque, ça va être trop long. Bon, j'y vais moi aussi, on doit absolument stopper la tuerie avant la fin de la nuit. Oh! Qu'est-ce qui se passe? The fuck? Oh! Comment ça y a un trou de nowhere? Est-ce que c'est à cause de leur bataille? Ok, un trou. Bah, c'est parce que je pense que je l'avais remarqué là. Il semblerait que vos liens soient mis à rude épreuve dans cette situation extrême. Cette jauge représente votre temps. What the fuck? Huh? Wow! Quelle jauge de temps là? Tu me parles là? On va baisser là tout d'un coup. Peut-être que je vois pas à cause de ça. Plus la force de vos liens augmente et plus vous pouvez déplacer des descentes. What? À vous d'utiliser, je dis. Ok, ouais, c'est bon. Oh, ok, non. Oh my god, il faut que je me grouille. Hein. Bon, on va commencer par fouiller le trou. Ben, j'imagine que oui, là. Des escaliers dans un endroit pareil, peut-être un passage que l'on aurait pu ouvrir avec une des babioles de Bonokuma. Je devrais trouver des indices sur place, allons-y. Nice. Qu'est-ce qu'on va découvrir, là? Oh, shit. Oh, ok, je pense que je commence mieux à comprendre. Donc ici on peut passer parce que c'est à zéro. Ok, nice, je comprends. Il faut que je fasse ça vite, j'ai une limite de temps. C'est-à-dire si je le fais pas à temps, je dois tout recommencer là. Il y a hors de question. Allez, vas-y, grouille-toi, plus vite. Ok, cette porte est à moitié défoncée. Mais vu son allure, ça doit être celle d'un laboratoire ultime. Il en reste donc encore une non ouverte. C'est le laboratoire de recherche du despot ultime. Oh, celui de Kokichi. Il aurait dû rester fermé normalement. Ouais, on n'a pas le droit, mais on s'en fout là maintenant. Là, on peut rentrer parce qu'ils sont pas là. Bon, on peut dire qu'on peut rentrer là, mais vous avez vu comment la porte est? Yo, il a dû faire une espèce d'escalade là, comme un pro là. Il a dû monter par monter. Voilà donc le laboratoire de Kokichi, blablabla. Il a vraiment tout du refuge d'une organisation criminelle secrète. Mais a priori, rien n'indique qu'il faisait partie des remnants du désespoir. Nous ne perdons jamais espoir face aux remnants du désespoir. Espoir, désespoir. Lorsque Kaito se trouvait à l'intérieur de cet exil, il semblait ne rien savoir des remnants du désespoir. Ni lui ni Kokichi n'étaient là lorsque nous avons utilisé cette torche des souvenirs. Mais malheureusement, la réalité, elle est bien là. Le seul laboratoire aurait sans doute pu la refléter un peu plus, je trouve. Cherchons voir s'il n'y a pas d'indice sur ces remnants du désespoir quelque part. Ok, déjà, je sais pas pour vous, mais comme... On dirait vraiment pas une organisation criminelle. C'est sûrement l'emblème du clan de Kokichi. Genre, je sais pas comment vous dire ça. Les remnants du désespoir brandissaient vraiment ce symbole. Comme, on dirait un enfant, je vous trouvais pas. Apprenez à votre enfant à devenir propre. Une méthode unique et pédagogique. Le dessin s'efface quand la culotte est mouillée. Elle est facile à enfiler et à retirer. Avec la culotte jour, votre enfant ressent une brève sensation d'humidité. Et avec la culotte nuit, il reste protégé grâce à une super absorption. Regardez! Genre, il y a une petite hélicoptère avec une auto. Yo, on dirait un endroit pour dormir. Je sais pas. Un lit pour dormir, mais en voiture. Une voiture de sport? Ok, ouais. Mais qu'est-ce que des malfaiteurs utilisaient vraiment des voitures aussi voyantes? Avant tout ça, on se croirait dans un film de gangster pour gamin. Mais c'est ça que j'ai dit, on dirait plus un enfant.
Kokichi, la manière qu'il parle et tout. Ok, on va checker le bureau maintenant. Ok, un bureau de réunion énorme. Rien de particulier posé dessus. Ok, chaise centrale. Yo, on dirait un... Yo, ça c'est trop enfant. Ça doit être le fauteuil de Kokichi, c'est toute l'affaire, le siège d'un patron du banditisme. Mais je trouve quand même tout ça bien exagéré. Elle se demande dès si cette organisation était vraiment sérieuse. Tu me niaises? T'as vu même le petit signe en haut? On voit que c'est des jokes tout ça. Ok, y'a rien là. Ok, on a fouillé ici. On va checker l'hélicoptère maintenant. Cet hélicoptère télécommandé, il appartient à Kokichi? On avait déjà fouillé, je pense, ici le bureau, hein, mais juste revérifier vite. Ok, d'accord. Bon, 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 c'est quoi ça? Non, y a rien ici. Checkons les masques. Non, y a rien là, ok. Les livres. Ok, un livre par terre, voyons voir ça. Document officiel de l'Académie du Pic de l'Espoir. J'ouvris le livre épais que je venais de ramasser et le feuilleter. Je découvris alors à l'intérieur. Oh! Attends, ce serait pas dans d'autres Daggerampa, ça, par hasard? Un nombre incalculable d'informations sur l'Académie et les remanents du désespoir. L'histoire des affrontements entre espoir et le désespoir est relatée au fil de ces pages. Et tous ces souvenirs nous ont déjà revenu rien de nouveau là-dedans. A priori, ce livre ne devrait donc me servir à rien, mais... Oui, mais... Non, quelque chose me dérange. Oui, c'est étrange ce qui est écrit dans ces pages. Tu es sûr que c'est le bon moment pour faire de la lecture? Ah, Maki. Maki jeta un œil par-dessus mon épaule pour voir ce que je lisais. Document officiel de l'Académie du Pic de l'Histoire, tu as besoin de lire ça maintenant? Tu as toi aussi retrouvé tous tes souvenirs à propos de cette école, non? Oui, c'est ce que je pensais, mais... Maki, tu tombes bien. Est-ce que je peux demander un service? Un service de quel genre? Tu pourras me raconter tout ce que tu sais sur l'histoire de l'Académie du Pic de l'Histoire? Hein, pourquoi? Je voudrais vérifier une chose très importante. Je ne comprends pas trop ta demande, mais si tu insistes... Elle prit alors sa respiration et commença à me retrousser tout ce qu'elle savait d'un temps ennuyé. C'est étrange. Non, après tout, c'est normal ce que vient de me raconter Maki. Correspond tout en point à mes propres souvenirs. Dans ce cas, ce qui est écrit dans ce livre, ce serait des mensonges? À moins que... Ah! Alors que je feuilletais les pages, mon regard s'arrêta sur une page en particulier. Qu'est-ce qu'il y a? La postface de ce livre à la dernière page. Qu'est-ce qu'il y a? Elle explique que ces documents ont été rédigés par un grand nombre de chercheurs, que les informations qu'ils contiennent sont vérifiées et formelles. Oui, ce sont des documents officiels, où est le problème? C'est bien plus qu'un simple problème si jamais je vois juste... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? De quoi il parle? Il a découvert quoi? Je vais devoir analyser ces contradictions rapidement, il pourrait pas venir? Je dois absolument en savoir plus sur le propriétaire de ce laboratoire. Ok. Maki, je vais aller dans la chambre de Kokichi. Dans sa chambre, pour faire quoi? J'ai besoin de vérifier quelque chose. Pour savoir si ses paroles étaient vraies ou fausses. Je dois découvrir qu'il faisait vraiment partie des remnants des espoirs. Quoi? Bien sûr que oui, tu t'en es rappelé aussi bien que moi, non? Entendu, si tu insistes, je te suis. Merci. Je me demande si les mensonges de Kokichi ne vont pas nous servir à découvrir la vérité que nous cherchons. Oh. What the hell? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça fait peur. C'est quoi ces affaires-là? Oh, ce serait pas la torche de souvenir de tout, que Monokuma avait parlé. Il avait dit que ça va agir plus tard. C'est quoi ça? Oh. Sushi Saera, what? Qu'est-ce qu'il y a? Dis, tu serais pas un des participants du plan Gopher? Le plan Gopher? J'ai vu ça sur un track par terre. C'est juste une fausse information des remnants du Z-Sport. Ce plan est tenu ultra secret. Dis, si c'est toi, pas vrai? J'ai super bonne mémoire. Oui, on me l'a déjà dit autrefois, mais je dois juste lui ressembler, c'est tout. Ces participants sont des élèves de l'Académie du Pic de l'Espoir, non? Non, moi je suis qu'un simple lycéen sans la moindre particularité. Ah bon, je me trompais alors. Mais qu'est-ce que tu fais à t'amuser dehors? Une météorite pourrait très bien tomber dessus. Même pas peur des météorites d'abord. Mon papa, il m'a dit que la Fondation du Futur allait tous nous sauver et que le plan Gopher allait empêcher tous ces cailloux de tomber sur le ciel. Non, le plan Gopher n'est pas une mission de sauvetage de la Terre. Et tu n'as pas entendu la rumeur qui affirme que tous ces participants sont morts? Même pas vrai, ils ne sont même pas morts. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que ce sont des héros, ils vont sauver la Terre. Je viens de te dire que le plan Gopher n'était pas une mission de... Non, rien. Héros, ça ne meurt pas comme ça et ça ne baisse jamais les bras. Moi, je suis sûr qu'ils sont tous vivants parce que ce sont des héros. Des héros? Yo, c'est quoi ces souvenirs de merde que je viens d'avoir tout d'un coup? De tout pour revenir ces souvenirs? Ah, j'ai compris, ce sont sûrement les... Ouais, c'est ça que je disais. Mais pourquoi ils arrivent juste maintenant? Je crache pas la truc.
Ça ira. Où sont les souvenirs de la torche utilisée après le procès de Kaito? C'est sûr? Je peux te demander de quoi tu viens de te souvenir? Je viens de repenser au moment où j'ai renoncé à mon don de Lucien Team et effacé ma mémoire pour échapper au plan de feu. Exactement comme moi, mais pourquoi que Monokuma nous aura donné accès à ses souvenirs? Est-ce que nous allons devoir subir ou d'autres ces flashbacks? Je n'en sais rien, mais nous n'avons pas de temps à perdre à nous poser la question. Maki reste concentré sur nos recherches, il nous reste beaucoup à examiner. Tu vas dans la chambre de Oma, non? Je t'accompagne. Comment? Tu viens? Oui, j'aimerais moi aussi savoir un peu plus sur lui. Il a... Excusez-moi. Elle a l'air d'être inquiète de quelque chose à cause de ce flashback. Quoi, tu veux que je te tue? Non, non, allons-y. Oui, mais quand même. Des zéros. Oh! Pouvoir de l'amitié augmente. Vous pouvez désormais déplacer de plus gros décombres grâce à votre force des liens. What the hell? Ah oui, je peux. What the hell? Ok, c'est bon. What? C'est quoi encore le bouton? What? En tout cas, je pense que c'est R2, mais yo, je pensais que ça faisait même pas beaucoup. Ça me faisait rapidement. Ok, nice. On a pu rentrer à temps sans danger. J'aurais pu m'attendre à un danger là. Ok, Kokichi. Il est pas là, Ah, il est là. Vite. On n'a pas de temps à perdre, Yop. Oh, yo, c'est un bazar ici, c'est quoi toute cette merde? Voilà donc la chambre de Kokichi. Je ne sais pas d'où sortent ces objets, mais c'est un véritable cafarnum ici. Nous devrions trouver notre bonheur là-dedans ou notre malheur, qui sait? Oui. Oh god. Peut-être nous allons nous apprendre un peu plus sur Kokichi en fouillant sa chambre. Kokichi se disait être l'idée d'une secte occulte voulant mettre fin... Échec au plan Gopher, puis il s'est fait passer pour l'instigateur de la tuerie organisée dans cette école. Avant que nous nous souvenions grâce aux effets d'une torche des souvenirs, qui était en réalité le leader des remnants des espoirs. Mais au début de la vérité, où se cachent les mensonges? Ok, carton rempli de documents. Regarde, on dirait des plans. Des plans? Oui, des pieds et de... des pistolets laser, des plans d'armes sortis de l'image. Vous avez dit, yo, il a la mentalité d'un enfant en réalité. Qui se prend pour un vilain. Je me demande s'il y a les plans des électro-marteaux et les électro-bombes là-dedans. Il a utilisé tout ce qui lui passait par la tête avant de demander à Iruma de lui fabriquer. Mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de plans vraiment infantiles. Sans doute volontaire de sa part. Volontaire? Oui, pour laisser derrière lui le plus de plans possibles et compliquer nos recherches. Il est possible de tout vérifier et c'est probablement ce qu'il visait. Tu veux dire qu'il a sûrement des documents importants cachés là-dedans? Oui, je le pense, mais nous n'allons pas avoir le temps de tout regarder. Je vais m'en charger alors. Comment? Maki attrapa le premier carton et commença à inspecter les documents à l'intérieur. Maki? Okay. Merci. De rien. Ok, bon. On a commencé avec les documents. Plutôt les cartons. Les preuves de meurtre. What? Ah, ça, c'est l'appareil photo que j'ai installé dans la bibliothèque. Et là, la bouée que nous avons retrouvée dans la piscine. Il y a quand même, il y a même le livre de l'enfant en cage. C'est lui qui a regroupé toutes ses preuves ici. Pas d'armes dans les parages. Je me demande bien pourquoi il a ramassé tout ça, mais je sais bien qu'il est inutile d'essayer de trouver une réponse à cela. Oui. Je pense que lui aussi, il enquêtait à sa manière. Ok. Mon iPad. Oh, est-ce qu'on pourra voir son mobile à lui? C'est celui qui a été à l'origine du crime de Kirumi. Mais toutes nos vidéos mobiles ont normalement été mélangées et données au hasard. J'imagine que c'était également le cas pour Kokichi. Aucun intérêt à le regarder alors, non? Non, je pense que nous devrions y jeter un œil pour savoir ce qui a pu motiver ces agissements. L'écran se mit en marche instantanément lorsque je l'ai mis en main. Oh, Yoshi, je suis curieux. In your life. And now, without further ado... What? Kokichi's... What? Kokichi Oma, the ultimate supreme leader. He caused mayhem the world over as the leader of the secret organization, DICE. Leader de l'organisation secrète DICE qui se met la panique dans le monde entier. By mayhem, I mean petty non-violent crimes and harmless pranks. Anyway, Kokichi had 10 loyal goons working for him. Okay. These goons were like friends and family, the most important people.
goal in his life. Je suis curieux de savoir que ça dit goon. Pour de vrai. J'aimerais ça aller sur Google, mais j'avais pas le temps pour ces bullshit. But then, a terrible event befell those precious people. J'imagine que ça a dû blesser quand même Kokichi là. C'est sûr à 100%, ça a blessé tous ceux qui avaient du monde qui comptait pour eux là. What kind of event? It's a secret. Find. No. Why? No. Ouais. Excusez-moi en passant. Oui, ce qui m'intrigue le plus, c'est le contenu de cette vidéo. Ces informations contredisent totalement ce que je croyais savoir sur lui. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir signifier? Je ne pensais pas que ces vidéos auraient tant d'influence jusqu'au bout. Toutes ces preuves regroupées ici, sans doute une coïncidence ou pas? Ok. Ok, on a trouvé ça. Attends. Ok, non, je pense pas. On a déjà fouillé tout ça. Je pense qu'on a tout fouillé, là. On va parler à Maki. Peut-être qu'il y a quelque chose à savoir. Hey. Ça ira, j'ai une question à te poser. Oui, quoi donc? Momota pensait qu'Oma avait raison lorsqu'il disait que ce jeu était regardé par des gens. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je pense que Kokichi n'avait pas forcément tort. Ce genre de jeu a besoin de spectateurs pour prendre tout son sens. Et si personne ne le regarde, pourquoi attacher autant d'importance à ces règles? C'est exactement ce qui s'est passé avec Junko Inoshima autrefois, n'est-ce pas? Je pense que Monokuma tient à son règlement parce que tout cela est diffusé quelque part, mais la profession humaine a disparu et nous étions plus que 16 survivants, non? Visionné d'abord, d'accord, mais par qui alors? Il n'existe plus aucun humain de vivant. Je pense que quelqu'un s'est infiltré parmi nous ici? Okay. C'est un véritable mystère. Mais qui dit mystère dit forcément vérité cachée. Et cette souris n'est pas encore révélé tout ce qu'elle avait à nous dire. Mais si personne ne sait ni si l'espoir ou le désespoir qui nous attend au bout. Ok, je pense que j'ai mal lu la fin, mais je m'en fous. Ok, ouais, on a fait le tour, je m'en doutais. Si tu as terminé, tu peux y aller. Je vais rester pour continuer à inspecter. Ok. Mais, ah, mais, j'ai beaucoup à dire, tu es celui sur qui on peut le compter le plus maintenant. Même si tu n'es pas, n'es que l'assistant de Momota. Oh, Maki. Ah, mais jette un œil à ça avant d'y aller. Regarde ce que j'ai trouvé, qu'est-ce que c'est? Quoi, ceci n'est pas un testament? J'imagine que c'en est un, encore un mensonge sa part. Mais pourquoi il aurait laissé ça derrière lui? Sûrement pour nous fournir des informations au cas où son plan raterait. Qui lui, ça m'étonnerait qu'il fasse une chose pareille. Je l'ouvre, on verra ça après. J'ouvris l'enveloppe que Maki venait de me... blablabla, je trouverai un petit bout de papier à l'intérieur. Le deuxième message, sur le mur à côté de la chaudière. Et tout, encore une mauvaise plaisanterie de sa part. Je me le demande. Je vais quand même aller vérifier, on ne sait jamais. Comme tu veux, mais ne traîne pas, la nuit va bientôt se terminer. Entendu. Mais bien, direction l'arrière-cour pour aller inspecter la chaudière. What the hell? L'arrière-cour pour aller inspecter la chaudière. Ok, je vais essayer de savoir c'est où. C'est où d'ailleurs? Bi et jumeau. What? C'est ça le second message? Qu'est-ce que ça veut bien signifier? S'il est élaboré de la même façon que l'autre message de Kokichi, c'est sûrement une énigme ou une phrase incomplète. Ce message n'est donc pas complet. Deuxième énigme. Ok, ouais, on a compris. Ok. Même si ce message est incomplet, pourquoi Kokichi a-t-il voulu nous le faire découvrir? Quoi encore? Oh my god. Ah, encore? Juste manger le petit bout là qui reste de gâteau là. Le reste, c'est sûr que je mange pas. Trop de crème. Ça ira. Tes lycéens de Lucien Ultime te sont revenus, n'est-ce pas? Yes. Oui. Dans ce cas, en tant que directeur de l'Académie du Pic de l'Histoire, je t'en conjure. Je voudrais que tu participes au plan Garfeu. Je suis vraiment désolé, tu sais. Je comprends parfaitement tes sentiments et la raison qui t'a poussé à effacer ta mémoire. Je sais que cela ressemble à un sacrifice pour la race humaine, mais vous êtes les seuls à ne pas être touchés par le virus capable de réaliser ce projet. C'est l'avenir de l'humanité tout entière qui repose sur vos épaules. L'avenir de l'humanité? Y a-t-il vraiment un sens à tout cela? Comment? Même si nous exécutons ce plan et que nous parvenons à survivre, quel sens est-ce que cela pourrait bien avoir? À quoi bon vouloir conserver ainsi des échantillons de notre race? Je ne comprends pas. C'est à vous de découvrir et de trouver cette raison et ce but. Comment? Je suis bien conscient de la situation et des plus cruelles, au point de vous demander si la mort ne serait sans doute pas plus douce.
Mais je veux tout de même que vous continuez à vivre. Pour tous ceux qui vous le voudraient mais qui sont condamnés à mourir, vous êtes notre dernier espoir. Je t'en prie, ne renonce pas à l'espoir que tu représentes pour nous. Je veux que tu vives et que tu fasses vivre cet espoir le plus longtemps possible. Ok. Encore. God. Encore de nouveaux souvenirs et cette fois c'était... Après m'être capturé et avoir finalement accepté de participer au plan Gopher, c'est alors qu'un vacarme tonitruant retentit au-dessus de ma tête. Oh lord, qu'est-ce qui se passe là? What? Attends, là, qu'est-ce qui se passe? Oh, je pense que c'est à cause de Monokuma puis Koki... pas Koki, je sais qu'elle raconte. L'autre là. J'ai oublié son nom. Malheureusement, il reste plus. Il reste plus le café. Oh ouais, puis Kibo. Switch, vous allez bien, vous n'êtes pas blessé. Kibo. Oui, ça devrait aller. Excusez-moi, j'ai perdu le contrôle de mes mouvements à cause de ce flashback. Ah, toi aussi, la mémoire t'est revenue. Oui, vous parlez du moment où nous avons accepté de participer au plan Gopher, mais pourquoi est-ce que Monokuma nous restitue ses souvenirs maintenant? Probablement pour nous enfoncer encore plus dans le désespoir. Dans le désespoir, je dirais plutôt que ça a créé l'effet inverse. Ok, non, on a plus le temps de choses là. Je sais plus là. Je vais parler juste pour voir qu'est-ce qu'il pense. Comment ça se passe votre enquête? Vous pensez mettre fin à la tuerie par vous-même? Oui, bien sûr, je fais tout pour, mais ça va me prendre encore un peu de temps. Il reste tellement d'endroits encore inconnus dans ce campus. Des endroits inconnus? Oui, c'est vrai, nous n'avons ainsi pas encore... Oh, on va aller dans le laboratoire de lui, c'est vrai. J'aimerais bien pouvoir... j'aimerais bien trouver un moyen d'y pénétrer pour effectuer mes recherches. Je vais vous aider. Comment tu vas m'aider? Rien de plus simple, il ne suffira simplement que détruire la porte d'entrée, c'est tout. C'est vrai, si tu peux me faire ça, alors... Mais passez devant, je vous rejoins tout de suite. Ok. Mais faites bien attention, c'est entendu? Monokuma considère vos indications contraires au règlement et est sur vos traces. Les existants sont également à votre poursuite, ne vous laissez pas capturer par eux. D'accord, je vais faire attention. Oh non! N'hésitez pas à m'appeler au cas de danger, je vous ouvrirai la voie qui nous attaque. Tu viendras à mon secours? Je ne suis pas votre ennemi, je veux vous aider autant que je peux durant vos recherches. Mais n'oubliez pas que le temps limite est fixé à la fin de la nuit. Oh shit, mais c'est quoi le... Je fais comment là si j'ai besoin d'aide? Sérieusement? Le temps limite. Il semble vraiment décidé à détruire entièrement l'académie au lever du soleil. Est-ce qu'il a changé tout... Qu'est-ce qu'il a changé tout de même? Est-ce que ça a un rapport avec la disparition de sa voix intérieure? Mais occupons-nous plutôt du laboratoire de Rantaro. Il semblait être au courant de quelque chose alors qu'il ne se souvenait pas de son don. Excusez-moi, je peux vous poser une question bizarre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la chasse aux lycéens ultime? Tu es au courant pour la chasse aux lycéens ultime avant qu'on retrouve la mémoire et je me demande vraiment bien pourquoi. Je suis sûr que cela cache un indice sur le secret de cette école et son instigateur. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, je ne baisserai pas les bras, je veux croire en l'espoir jusqu'au bout. Bien commençant par inspecter le laboratoire de Rantaro. Bon, on est rentré par ce trou là. Oh shit, ok, je peux pas passer par là pour l'instant, c'est 3. Oh shit. Oh shit. Et putain, s'il vous plaît, pas d'exissage, je vous en supplie, ça me fait peur. Oh, pardonnez nos interventions instantanées, mais c'est pour votre bien. Vous pouvez utiliser les pouvoirs de Kibo en appuyant sur... Ok. Ok, nice. Oh, c'est facile, ok, c'est bon. Ok, c'est bon, je prends note. Ok... Il n'y a rien ici de spécial. Putain, ça fait peur de cette manière. Vous imaginez si je cours dans nowhere puis... Oh, on va commencer par les toilettes des filles en premier. Non. Ouais, on va commencer par les toilettes des filles, toilettes des gars. Ok, on va l'examiner alors comme il le demande. Ok, on peut pas. De toute façon, ici, c'est 2. Donc, il faut que je m'en vais tout en haut alors. Putain, ok. On est ici. Faut que je reste à mes distances. Ok, c'est bon. Ah, shit. Yo, t'es sérieux? Je pouvais passer de ce bord-là. C'est ridicule. Ok, c'est bon. Ça, c'est la laboratoire de la fille, là. La gouvernante. Ok, je peux pas passer par là. Oh, putain. J'ai peur d'une certaine manière. On va pas se mentir. Parce que j'ai pas envie d'avoir une surprise, là, de dernière seconde. Ok.
Ok. Je reste sur mes gardes là. J'ai pas envie de me faire tuer par un Exisal, hein. Ok. Ok, donc on peut passer par là, techniquement. Ok, c'est intéressant à voir, mais pour l'instant, il faut que je garde mes essences puis que je reste sur mes gardes. Ok. Ok. Il n'y a rien ici pour l'instant. Ça me fait peur. Ok. Plus vite! Mais pourquoi il faut être si proche pour ces roches de merde? Shit. Je pense qu'il faut aller plus haut encore pour Hantaro. Ouais. Oh my god. Je peux pas passer par là. Ouh, j'ai peur. Je dois l'admettre. Bon. Ok. Ok, je pense que c'est par là. Nice. Ok, c'est bien. On avance bien, on avance bien. On continue, on continue. Oh shit. Ok. Ok, on est arrivé finalement. Kibo va arriver de nowhere, il va casser la vitre ou je sais pas. Puis après ça, il va libérer la porte. Me voilà, ça c'est de l'entrée en scène. Ouais, on se ferait dans un film. Bien, je détruis cette porte et switch et éloignez-vous, d'accord. Je te conseille de t'éloigner bien loin, hein. Putain, mais on peut dire quand même qu'il avait des armes incroyables. Sur ce, je vous laisse, je vous en charger. N'hésitez pas à m'appeler si vous voulez rentrer dans un endroit inaccessible. J'en détruirai la porte comme je viens de le faire à l'instant. Ok. Puis Kibo s'envola à nouveau dans les airs sans rien me dire d'autre. L'endroit inaccessible, je devrais donc pouvoir rentrer n'importe où avec son aide, ce qui inclut donc aussi cet endroit. Mais commençons tout d'abord par inspecter le laboratoire de recherche de Rantaro. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, je suis curieux. Oh, what? C'est quoi ça? On fait le laboratoire de recherche de Rantaro. C'est classe, quelle atmosphère fantasmagorique. Et moi qui pensais que je devinerais de suite ses fondants en rentrant ici. Ouais. C'est quand même assez perturbant. Oui, mystère complet. Miko, le bruit d'explosion qui vient de retentir, c'était donc toi qui as défoncé cette porte? Non, c'était Kibo. Oui, mais c'est classe. Quel annonceur fantasmagorique. Ok, on peut... Genre, pourquoi il faut qu'il répète la même affaire? On se croirait dans un jeu d'énigmes à résoudre. Amame était peut-être le roi du quiz ultime. Genre, il a déjà remporté des émissions de télé. Ça, j'en sais rien. Commençons par faire le tour de la pièce. Je vais t'aider alors. Réjouis-toi, tu vas... Ouais, on s'en fout. J'en suis ravi. Bon, on va commencer par... Oh, attends, c'est quoi? Non, attends. Ordinateur portable. Ok, un ordinateur portable. Je sens que ça va nous servir. C'est mon deuxième sens qui vient me le dire. Nous allons sûrement trouver à l'intérieur des indices. Vérifions ça tout de suite. Il a l'air de fonctionner. Voyons voir. Ça, qu'est-ce qu'il y a? Il est vide. Vide, comment ça? J'ai absolument aucune donnée à l'intérieur. Quoi? Quelqu'un l'a laissé là juste pour nous donner de faux espoirs? J'en ai bien peur. Mais mon 15 essence me dit que se cache quelque chose. Il y a un truc, c'est obligé à aller chercher. Je vois vraiment. Je dois vraiment faire confiance à cette essence de sorcière. Je sais pas, mais j'imagine qu'on n'a pas d'autre choix, hein. Ok. Donc, c'est Kibo qui a explosé cette porte, tu dis. Il a vraiment changé, lui, qui détestait tout ce qui peut rappeler un super robot de l'espace. Même si c'est un robot, lui aussi, à la base, comme quoi les machines sont capables d'évoluer. Ah non, attends! En fait, ce n'était peut-être plus Kibo, mais un robot de rechange Game Version 2.0. Un robot de rechange, ce n'est pas Monokuma, non, je pense pas que c'est... Je pense que c'est bien lui. Mais c'est vrai qu'il a de quoi douter quand on le voit métamorphisé à ce point. Ok, bon, on l'a parlé à elle. Cette vilaine petite sorcière. Ok, attends. Il y a quelque chose, on dirait, non?
Oh, énorme coffre. Ok, il y a juste ça en fait. Ouais, il y a juste ça. Ok, bon, on va checker les coffres. Qu'est-ce que c'est un coffre, mais pas un simple coffre-fort. Il possède deux cadrans semblables à deux gigantesques puzzles. À droite, un cadran avec un A et les 12 signes de l'horoscope chinois. À gauche, un autre cadran avec un B et les 12 signes du zodiaque. Il doit falloir trouver la bonne combinaison pour ouvrir ce coffre. Il est écrit sur ce papier, un indice est caché dans l'académie. Un indice ou ça? Mais bon, pas besoin de réfléchir, on a qu'à tourner ces canons dans tous les sens. Il n'y a que 12 signes différents par horoscope, ça veut juste dire 12 fois coffre. Oui, 144 possibilités donc, et pas assez de temps pour toutes les essayer. Tu veux peut-être me dire que tu connais la réponse alors que je n'y comprends rien moi? Une petite seconde, je réfléchis. Cadran avec écrit A et un autre B, et deux horoscopes différents. Avec ce papier, un indice est caché dans l'académie, je devrais trouver quelque chose. Sarah, je t'ai crié dessus tout à l'heure, mais n'hésite pas à me demander si besoin. Ton élimination a besoin d'un petit coup de pouce, je peux en parler à mon sixième sens, je te remercie. Ok, je n'ai pas beaucoup besoin de beaucoup. Je n'ai pas beaucoup de temps en tournant ces cadrans pour voir. Si je ne trouve vraiment pas, je demanderai son aide à Himiko. What? Ok, déjà B. Je me rappelle, il avait parlé de jumeaux. Cadran. On va commencer par le cadran de gauche. Ça, c'est quoi ça? Ce sera pas Gemini par hasard? Ok, le cadran droit. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans les cadrans droits. Ok, donc ça c'est chinois. One eternity later. Oh, c'est long. Putain. Ok, on va essayer chèvre. Non, qu'est-ce que tu fous? Ouvre. Non, on va essayer cheval. Yo, je vous dis, on va essayer tout, ne vous inquiétez pas. Yes! Ça a pris du temps, hein? Pas du compris, mais c'est pas grave. Comment tu as fait au final? L'indice dans le campus sont les messages de Kokichi, sont eux qui m'ont indiqué comment ouvrir le coffre. Ok, ça, expliquez-moi. Kokichi a rejeté les lettres par erreur pour en faire le message qu'on connaît. Lorsque Gonta l'a trouvé, il n'y avait que Ainia to A. Kokichi n'a ensuite fait que mettre d'autres lettres. Pour que le monde appartient à Kokichi Oma. Okay. En regardant bien ces lettres, on se rend compte que c'est l'anagramme des talons A. Oh, oui, oh, cheval, ok. Ok, fallait que je fasse un mot avec. Mais je m'en colle, pour de vrai. Comment j'aurais pu savoir que c'était étalon? Oui, étalon A signifie d'un cadran A, signe chinois du cheval. Ok, concernant l'autre indice caché dans l'arrière-cour, c'est l'affaire des jumeaux. Bi est jumeau. Bi est jumeau, une phrase qui n'a aucun sens sortie de son contexte. Ah, mais oui, devant ces cadrans, tout devient plus clair. Tout à fait, le cadran B correspond au signe du zodiaque du gémeau. Que d'ailleurs, moi, en fait, je suis Gemini, si vous ne le savez pas. Oui, mais c'est bien sûr, toute explication est claire comme de l'eau de roche. Mais pourquoi est-ce qu'Omar a rajouté ses lettres pour en faire ce message? Il a utilisé ses lettres pour clamer qu'il était un instigateur. Oui, il a fait exprès de nous faire croire qu'il était le seul unique instigateur. C'est comme ça qu'il a commencé à mettre en place son plan pour faire ce père passer pour lui. Ah, mais comment il a fait pour être une plaie pareille, même après sa mort? Regardons plutôt ce qu'il y a dans ce coffre. J'imagine que c'est une preuve ou un indice crucial pour être caché dans un endroit pareil. Oh, j'espère le trac là. Ça ne te dérange pas si je vomis? Tu vomis à chaque fois que tu as le trac? Ok, est-ce qu'on peut-tu le prendre le truc? Nice, une clé USB. J'imagine qu'on doit le mettre à l'ordi là. Faut pas être Einstein pour comprendre ça. Ok, je sortis la clé USB trouvée dans le coffre et je l'enfonçai immédiatement dans le port du PC. Un dossier apparu dans l'écran. Qu'est-ce que c'est, une vidéo? Je cliquai alors sur le fichier pour lancer la lecture. Oh, je pense que... Ouais, c'est ça. Ouais, je crois. J'étais tellement surpris de ce que je voyais, j'arrêtais la vidéo sans le vouloir. Qu'est-ce que tu fiches?
Pardon, c'était bien Rantaro, n'est-ce pas? Il était sûrement filmé avant de se faire tuer. Non, c'est étrange. Pourquoi cette vidéo se trouverait ici d'abord? En plus, elle a clairement été prise dans cette pièce. Mais nous sommes les premiers à entrer dans ce laboratoire. Nous aurions dû le découvrir après la mort de Gonta, mais Rantaro était déjà mort. Et c'est pour cela que nous n'avons jamais pu pénétrer à l'intérieur. Et si nous y sommes enfin arrivés, c'est juste grâce à Kibo. Comment Rantaro, qui est mort avant Gonta, aurait pu bien filmer dans cette pièce? Ah oui, je sais, mais commençons par regarder la vidéo, d'accord? Oui, tu as raison. Je rappuyais sur le bouton de lecture d'une main légèrement tremblante. J'imagine que tu ne dois pas vraiment comprendre ce que tu... On va le laisser parler. Ok. Think of this video as a message from the Rantaro before you lost your memory. To the Rantaro after you lost your memory. Okay. So, let's get to it then. The reason I recorded this footage. I won the right to a special perk for participating in the killing game. What? Parce que j'ai bénéficié de divers privilèges en tant que participant à cette tuerie? Part of that perk is this video message. Monokuma said he was gonna make some kind of puzzle for you. The fact that you're watching this means that you've solved it already. Okay. Also, you can't share this with anyone. If you catch Monokuma shooing anyone away from you, that's why. There's another part to this perk. Something you get at the start of the game. C'est quoi? Don't you know what I'm talking about? Something you've had from the start? Yeah. Qu'est-ce qu'il avait dès le début, lui? Quand on a commencé le killing game, il avait rien, non? Sérieux? If you're watching this, that obviously didn't work. It's never easy, huh? Well, anyway, that's the perk. Other than that, you're just like all the others. Okay. And then they wipe your memories and you start killing. That's the way it is. Now, Monokuma probably already told you this, but just this killing game will continue until there are... Ouais, ça on savait déjà dans quelle pleine affaire qu'ils nous ont pas dit depuis la dernière fois. Oh shit, ça m'a fait peur. Looks like they didn't want me saying that, huh? Guess you'll have to solve that little mystery. But hey, you're smart. I know you can do it. Oh, there is one more thing. Well, the truth is, this isn't your first killing. Attends, il avait peut-être déjà dit. Oh! The last killing. Donc c'est ça son pouvoir ultime. Survivor perk. But it's not all fun and games. Anyone who finds out who you are is gonna come for you. So watch your back. Trust no- and never forget. You wanted this killing game. So you have to win, no matter what. C'est ton propre gré. What the hell? Qu'est-ce qui se passe en réalité alors? No matter what? Donc en réalité, ils sont pas été kidnappés de quoi que ce soit. Si je comprends ce qu'ils viennent dire. Et s'il n'a participé à d'autres killing games, ça veut dire que... Ça veut dire qu'il y a des... Que... Ouais. Ça veut juste dire que tous leurs souvenirs, c'est peut-être des mensonges. Je sais pas. Parce que ça fait pas de sens si on prend en compte ce qu'il dit. Ce n'est pas la première fois que cette tuerie a lieu. Il était là de son propre gré. Ferra, je n'ai pas compris un mot de son histoire. Rantaro, mais qui était-il donc? Vraiment le survivant d'une tuerie passée, cette vidéo était un bonus survivant. Rantaro est donc un expert en jeu de la mort, d'où son titre de survivant ultime. Mais alors comment a-t-il pu mourir comme ça dès le départ? Il a bien dit... Qui se ferait probablement d'attaquer par celui qui découvrirait son identité. Mais qui découvrirait son identité, c'est pas Nakamatsu? Non, c'est parce qu'elle ne la connaissait pas qu'elle a confondu avec l'instigateur. Il y avait donc quelqu'un d'autre qui savait qui il était vraiment. Le véritable instigateur, oui, cela ne fait aucun doute. Je veux dire que le vrai instigateur qui se cache quelque part aurait tué Amami, ça me paraît très probable. En fait, je pense que j'en sais rien. Il a aussi dit qu'il participait à cette tuerie de sa propre volonté. Mais pourquoi? Finalement, je dis ça lui aura coûté la vie. C'était donc ça ta deuxième participation. Mais je ne comprends pas pourquoi a-t-il dit que cette tuerie était sa deuxième. Oui, ce jeu de la mort. Ah, il a aussi dit qu'il avait reçu deux bonus survivants. Pas vrai? Quoi donc? Ah, un objet qu'il avait sur lui depuis le tout début. Mais lorsque j'ai vérifié son cadavre... If I
Les seules choses qu'il possédait étaient la clé de sa chambre et son monopode, le même monopode que nous avons tous, il s'est servi comme carnet, comme nous. Comme tous. Peut-être qu'en allant fouiller dans sa chambre alors. Oui, c'est une bonne idée. Ça alors, je ne pensais pas que Rentaro referait surface dans un tel moment. Oh, c'est quoi encore ces flashbacks? Ouh, encore ces flashbacks. C'est quoi cette voix là? Je me demande qu'est-ce qui va se passer sérieusement. Oh, what the fuck? Yo, Shuichi, I heard you're finally gonna take part in the Gopher Project. C'est qui eux? On dirait des clowns. Are you okay? Are you okay? You're sure you're not overdoing it? You're the one who's overdoing it. You should be resting at home. You should resting at home. You know I can't do that. I don't know how much longer I'll be there. Ok, je m'en fous de ça. Yo, go away, je m'en fous de ces trucs. Je crois pas, c'est bullshit. Hey man, don't look so sad. You're up now that I think about it. Okay, lui, il est malade. Boys and girls going on a space trip together. You guys gonna do it? En tout cas, je peux pas rien dire. What are you talking about? C'est ça. Congrats, Shuichi. I heard there are some hot girls there. Et ça veut pas dire qu'ils vont sortir avec lui nécessairement là. I told you, don't look so sad. Mais je sais, il essaie de remonter son. Oh. You have to go. I'm begging you. Ça fait pas de sens quand j'y repense. À moins qu'il était dans les autres Danganronpa, je sais pas. On t'a croit, mamie. Shuichi, you're our pride. You know that? Okay. You have to do it. For up, if things get too rough, then just remember all the fun times we had together. Okay. So, don't give up. You're our hope. I'm everyone's. Yo, je commence à avoir mal au cul. Désolé pour mon langage. On va dire mes fesses. Ses souvenirs. Pourquoi est-ce que les souvenirs de mes amis me reviennent maintenant? C'est au coup de mon document, il l'a fait exprès. Mais je trouve ça vraiment étrange. Pourquoi ces souvenirs? Pourquoi maintenant? Bien plus que nous démoraliser, nous décourager. Oui, jamais je n'abandonnerai. Je dois me battre pour eux. Jusqu'au bout. Bon, il nous reste encore ces deuxièmes bonus survivants à découvrir. Non, je m'en charge. Je vais aller fouiller de fond en comble la chambre d'Amami à grand coup de magie. Ok, donc c'est elle qui va y aller au final. Miko partit sous ses paroles en courant, me laissant seul dans l'arboratoire. Qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Où se cache le mensonge, où se trouve la vérité? Oh, là, on peut fouiller dans toutes les pièces où il y a deux. Ok, c'est good, good, good. On peut-tu dégager de là? Ouais, nice. Ok, donc, c'est bon. J'espère que je vais pas tomber sur un monocumé, là. Genre, avec un exisal, s'il vous plaît, je vous en supplie. Oh, shit. That's true. Ouais, ouais. Oh, Tsumugi, qu'est-ce qu'elle fait ici? Ah, Suichi, je te retrouve enfin, Tsumugi, qu'est-ce qu'il y a? J'étais en train d'inspecter l'inventaire de Kaito au 6ème étage. Lorsqu'un des tirs de Kibo a détruit un mur et a fait apparaître une nouvelle pièce. Nouvelle pièce? Oui, une pièce vraiment étrange, viens vite le voir. Ok, Tsumugi part aussitôt au courant sans me laisser le temps de lui répondre. Nouvelle pièce, donc pas trop le choix. J'irai là-bas après direction pour le moment, le 6ème étage du bâtiment. Oh shit, yo, le temps passe vite, putain de merde. Ok, il n'y a rien à faire dans son laboratoire de merde. Ben désolé, il a voulu dire ça, mais... s'il vous plaît, j'espère que... Oh shit. Ok, donc une nouvelle pièce dans le laboratoire de Kaito. C'est où son laboratoire d'ailleurs? Oh! Toi, je t'ai vu là, mon ami! Attends, comment on fait pour... Ah, ok, c'est bon. Yeah! Tu sais, moi je cours pas après ces conneries là, mais si j'en vois un, j'en vois un. Tu sais, genre, je suis pas le genre de personne qui collectionne les trophées, les affaires comme ça. Non, c'est vraiment pas mon truc. Mais si j'en vois un, pourquoi pas? Mais je veux pas commencer à la recherche là, comme si c'était. Oh shit, je peux pas passer par ici, c'est fini. Attends, je peux ici, là, non? Ok. Ok, donc je peux passer par là, on va commencer par là. Sinon je peux tomber sur un exisage, je vous en supplie, mon dieu. Ok, il y a la cafétéria, il n'y a rien à fouiller, sérieux. À ma connaissance, en tout cas.
Ah, je me rappelle maintenant c'est où. Yo, s'il vous plaît, dis-moi qu'il n'y a pas d'existence, s'il vous plaît. Yo, je vous en supplie, là. Faites-moi pas peur comme ça. Ah! Mon Dieu! Oh, putain de merde, j'ai peur. Yo, shit, je savais qu'il y avait un existence juste à côté. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que je l'ai pas vu venir comme... J'ai tourné, tout de suite tourné de l'autre bord, puis il a fallu qu'il y en ait un... Oh god, j'ai eu peur, je dois l'admettre. Où est-ce qu'on est? Tu vois, je t'avais dit que c'était une pièce bien étrange. Qu'est-ce que c'est tout ça? Est-ce que par hasard nous serions dans... Dans quoi? Oh! Encore ces flashbacks, que va-t-on voir cette fois? Yo, là c'est vraiment pas... Je sais vraiment pas qu'est-ce qu'on va voir. Ouf. Et donc... Oh! C'est pourquoi on revoit tout le monde? Bien commençant! Attendez, je ne suis pas encore prêt psychologiquement! Oh! Pourquoi on revoit tout le monde? Les robots n'ont pas besoin de se préparer mentalement, eux! D'ailleurs, c'est quoi l'intérêt de faire entrer un robot en sommeil cryogénique? Je veux... je veux pas rester seul ici pendant que vous dormez, je suis un lien... C'est ordinaire avant tout! Pensez que ce système est sûr, soyez... Sommeil cryogénique, c'est la première fois! Oh. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Partir voyager dans l'espace, c'est le rêve de tous les hommes, moi je vous le dis. J'aimerais être aussi insouciante que toi. Peuh, c'est juste un abruti. Ça fait comme drôle de les revoir. Hein. Qui c'est l'abruti? Ok, stop. Oh, Kaede. Yo, je suis tellement là content de la revoir. C'est elle la première que j'ai pas entendue depuis longtemps. Tellement longtemps, yo, depuis en avril. Plusieurs mois que je l'ai pas entendue. Ok, stop, pas de dispute, nous devons bien nous entendre à partir d'aujourd'hui, non? Bien nous entendre? Oui, nous allons devenir amis, n'est-ce pas? Eh, alors qu'on se connaît même pas? Oui, nous allons désormais devoir vivre ensemble, tu en es conscient? Cela va peut-être être compliqué au début, mais nous faisons des efforts. Donc elle, en fait, elle se rappelle de tout. À ce moment-là, elle se rappelait de tout. Je remets qu'elle soit pas morte, pour de vrai. Il nous arrivera sans doute de nous disputer, mais essayons au moins de nous faire confiance. Nous sommes toutes dans la même situation, ça là devrait resserrer nos liens. Ne pensez pas? Moi, je veux devenir votre ami à tous. Une fois qu'on sortit de notre sommeil cryogénique, nous serons plus que 16. Une confiance mutuelle, minimum, sera forcément nécessaire. Non. Mais nous sommes déjà amis, voyons, c'est Dieu qui me l'a dit. Fatigant tout ça, mais je suis d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Qui, moi? Je suis d'accord. C'est vrai, tant mieux alors. C'est disputé, ok, du moment qu'on se tape tous sur l'épaule à la fin, on va désormais devoir se soutenir entre nous pour faire des efforts. Entendu? Enfin, ne comptez pas sur moi pour bien m'entendre avec des mâles. Les garçons, ça n'est pas si terrible que ça, tu sais. Bien, je ne sais pas dans combien de temps d'années nous nous retrouverons, mais je nous souhaite bon courage pour tout ce qui nous attend. Ok, en tant que dernier espoir de la race humaine. Ok, bon, c'est parti pour une petite sieste. À plus tout le monde. À plus tout le monde. Ouais, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais, ça fait bizarre. Ça me revient, c'est dans cette pièce que nous sommes tous rentrés en sommeil cryogénique. Toi aussi, les mêmes souvenirs sont revenus, hein. Oui, après avoir donné notre accord sur le plan pour participer au plan Gopher, nous nous sommes tous rencontrés ici pour la première fois. Nous sommes jurés de nous serrer les coudes et de devenir amis, mais pour finalement être obligés de nous entretuer ici, pourquoi? Toute la faute de Monokuma est celle du vrai instigateur qui en tire les ficelles. Le vrai instigateur, tu crois vraiment qu'il se cache parmi nous pour nous faire subir tout ça? Switch, faisons tous pour le retrouver et mettre un terme à cette tuerie et tenons la promesse que nous nous sommes faites. Même si nous ne sommes plus tout là, il n'est pas encore trop tard. D'accord. Ok. Écran. Non. Ok, document, what? Quel document? Ok, posé sur la table, la liste des participants au plan Gopher. Oui, je voulais te la montrer, je l'ai trouvée tout à l'heure ici. Tu as remarqué quelque chose? Oui, concernant le profil de chacun ici, j'étais déjà au courant de la plupart des informations, rien de surprenant. Mais concernant Kaede, qu'est-ce que tu as trouvé? Elle avait une sœur jumelle. The fuck? Sérieux? Une sœur jumelle? Oui, une sœur jumelle née quelques minutes avant elle. Mais elle a été recueillie par une famille sans enfants, elles n'ont jamais été en relation. Ça m'a rappelé Junko Inoshima, elle avait une sœur... Dis-moi pas que c'est elle là qui est en réalité la vraie instigatrice, genre sa soeur jumelle ou quelque chose comme ça. Elle avait une soeur jumelle elle aussi. Ah oui, c'est vrai. Elle s'est servie de sa soeur pour organiser et couvrir ses meurtres, n'est-ce pas? C'est sans doute une simple coïncidence, mais je voulais t'en faire part quand même. Tu as eu raison, merci.
qualité avait une sœur jumelle, première fois que je l'apprends. Et ça, ça n'a rien d'exceptionnel. Des jumeaux, il y en a partout. Oui, pas de rapport. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment des informations. Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Oh my god. Je pense qu'on doit faire vite. Ok, ouais. Mais mon occupant pourrait très bien prendre l'avantage sur lui avant, n'est-ce pas? Dans tous les cas, nous ferions mieux de nous dépêcher. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Je dois aller vérifier là-bas. L'endroit découvert au tout début de la tuerie, mais qui est resté fermé depuis. Tu veux parler? C'était où? C'était la bibliothèque? Oh, nice! Avec l'aide de Kimono, nous devrions pouvoir y parvenir. Mais oui, je t'accompagne alors. Ok, nice, intéressant. Ok, dégagez de là alors. Au moins, je sais qu'il n'y a pas d'exécel ici, là, vu la grandeur de la pièce. Quoique, je dis pas que c'est impossible. Hein. Je reste sur mes gardes. Tiens, un exécel qui arrive, je casse sa gueule. Enfin, je vais essayer. Yo, là, comment j'ai eu peur, je voulais être franc avec vous, j'ai eu la peur de ma vie. Gosh. Bah, combien de temps ça va prendre? Yo, il faut vraiment que j'avance vite. Vous avez vu combien de temps il reste? Il reste pas beaucoup de temps, là. Ok, on a essayé par cette pièce-là, je pense. Ok, on peut plus passer par là, donc on sait que c'est pas par là qu'il faut aller. Okay. Je veux pas être surpris, s'il vous plaît, comme j'ai été surpris tout à l'heure, s'il vous plaît, là, mon dieu. Comme, j'en ai marre des exisales, pour de vrai, ils sont casse-couilles. Oh, putain, ok, c'est pas par là qu'il faut aller. Yeah. Oh putain! Putain! Je sais que c'est facile, mais ça me fait peur quand même, ça me surprend à chaque fois. Putain, gosh. Ok, est-ce qu'on peut-tu passer par là? Non, on oublie ça. Ici, on oublie. On oublie là, on oublie là. Ok, il y a ici, il y a ici. Est-ce qu'ici... Oh, ok, c'est bon. On va essayer de passer par là. Bibliothèque, c'était-tu en bas? La bibliothèque? Ouais, c'était en bas, j'ai oublié. Dis-moi qu'il n'y a pas d'existence, s'il vous plaît, au sous-sol, je vous en supplie. Oh, putain, c'est... yo, ça me fait peur. Ah, ben c'est juste ici, là, de toute façon. Ouh! Ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, Maki est là, qu'est-ce qu'il fait là? Maki! J'étais sûr que tu viendrais ici. Je parlais donc bien de cette pièce tout à l'heure. Mais avant ça, j'aimerais te montrer quelque chose. À propos de tes plans, tu les as tous vérifiés? Tu avais raison, j'ai trouvé un objet qui a retenu mon attention. Je ne sais pas si ça va être d'une grande aide, mais regarde toujours. Ok, vas-y, c'est quoi l'objet en question? Maki, qu'est-ce que tu as trouvé dans cette montagne de plans? Ça, ce plan était perdu à l'intérieur de tous ces documents, il était extrêmement détaillé. Qu'est-ce que c'est, un aspirateur qui forme bizarre? C'est un appareil qui sert à attraper des insectes. Un appareil pour attraper des insectes? C'est Kokichi qui a dessiné ça sur ce plan, alors qu'il n'y a pas une seule mouche ici? Non, attends. C'est grâce à mes amis les insectes. Les insectes, je croyais qu'il n'y en avait pas ici. Oui, c'est aussi, c'est ce que je croyais, mais... En allant me promener ce matin, j'ai cru un instant en apercevoir un. Mais même avec mes 15 dixièmes de vue, j'ai eu du mal à le voir distinctement. Je l'ai peut-être réveillé, enfin, il m'a vraiment semblé apercevoir quelque chose. Je n'en sais trop rien, en fait. Gonta avait aperçu un insecte minuscule dans les parages. Oui, mais non, on n'était pas sûr lui-même. Oma a sans doute demandé à Iruma de fabriquer cet engin pour en avoir le cœur net. Il a demandé à Miyu de le fabriquer, c'était une de ses inventions. Je suis allé faire un tour dans son laboratoire et après avoir trouvé ses plans... ne me dis pas que c'est quelque chose d'important, ce que Gonta a vu. J'ai trouvé l'appareil qui correspondait. Il n'avait pas l'air d'être terminé, par contre. Malgré tout, je crois qu'il fonctionne, regarde. Le moteur pour aspirer est apparemment terminé. Tout en parlant, Maki appuyait sur le bouton de mise en marche l'aspirateur. Ok, ça c'est de la puissance. Il est censé aspirer tous les insectes des environs en ce moment même. Et ça n'a pas l'air de marcher. Oui, je l'ai essayé plusieurs fois en venant, mais il n'a absolument rien attrapé. Maki a coupé l'interrupteur de la machine en soupirant. Il n'y a absolument, finalement aucun insecte qui s'y contaste, c'est donc bien trompé, on dirait bien. Même en trouvant, je ne vois pas trop en quoi cela pourrait nous aider, mais bon. Je voulais au moins te faire part de ma découverte. D'accord, merci.
Je me demande si Gunther avait vraiment rêvé d'avoir vu un petit insecte. J'ai le sentiment que ça cachait quelque chose. Est-ce que je me trompe? Moi, je sens que c'est important. Regardez, c'est dans nos indices. Himiko, ah, je vous retrouve enfin, vous étiez là. Pourquoi vous ne vous avez pas averti que vous étiez donné rendez-vous ici? Je vous ai cherché partout. Moi, je me suis fait du souci, moi. Ah, pardon. Et toi, où est-ce que tu étais? Alors, tu es allé dans la chambre de Rantaro, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu as trouvé? Pourquoi a-t-il une tête en terrement pareille? Imagine qu'il n'y a rien trouvé. On va la parler, juste par curiosité. Tu as trouvé quelque chose dans la chambre de... Je n'ai rien demandé, je ne dirai rien. Ouais, mais pourquoi? Si je te dis que je n'ai rien trouvé, tu vas penser que je suis bonne à rien, pas vrai? Et ça, je ne le pardonnerai jamais. Tu n'as donc rien trouvé. Ne t'en fais pas, nous ne comptons pas sur toi depuis le début de toute façon. Ça, c'est encore plus mignon. Pas de trace de son autre bonus survivant, donc peut-être... c'est que dans bien-être, il n'avait rien sur lui au moment de sa mort, peut-être qu'il l'avait caché juste un peu avant. Mais à part la cacher dans sa chambre, je ne vois pas où il aurait pu le dissimuler. Quelqu'un s'en est peut-être emparé. Ça ira. On ne devrait pas essayer de rentrer derrière cette porte cachée, dépêchons-nous. D'accord. Ok, pénétrant derrière celle-ci, nous devrions peut-être découvrir de nouveaux indices. Bien, commençons par actionner l'étagère mobile. Ok. Ouais. Ok, c'est bon, on l'a fait. Je pensais que il fallait faire un autre bouton ou je sais pas frapper ailleurs. Donc, mais grâce à Kibo, cela devrait être enfin possible. Obligatoirement passer à la clé digitale cette tuerie pour entrer. Il me suffit donc de l'éliminer pour que cette tuerie se termine en fait. Mais qu'est-ce que tu t'abaisseras à ce niveau? Qu'est-ce qu'il y a? Oh shit! En fait, qu'à votre tête depuis tout à l'heure, hein? Vous n'avez pas le droit de rentrer comme ça partout, ça met papa en colère. Et moi, je n'aime pas papa quand il se fâche. Alors, avant qu'il vous trouve ici, je vais vous régler votre compte. Mais s'enfuyez-vous, vite! Oh, Kibo est là! Kibo à la rescousse! Je n'arrive plus à bouger. Restez tranquillement dans ce coin, vous voulez bien? Kibo, tu tombes à pic pour te remercier, je vais te transformer en humain avec ma magie. Vous voulez que j'ouvre cette porte, c'est bien ça? Oui. Comment tu m'as mis un vent? Mais bon, mes réserves de mana sont à zéro, donc... Bon, éloignez-vous, c'est dangereux. Kibo se retourna alors vers la porte cachée en dirigeant son lance-roquette 202. Yo, comme Himiko est dans sa tête, Kibo dans la tête de... Pour... Kibo dans sa tête, là, il dit sûrement Himiko, là, genre... Yo, je sais très bien que t'as pas de magie, alors ta gueule, puis genre... viens pas là. Genre, viens pas me déranger là, je suis occupé, tu vois pas? La porte secrète est complètement détruite. Ok, l'instigateur est sûrement caché derrière, j'en suis sûr. Est-ce que c'est bien possible de rentrer comme ça? On va peut-être se faire tirer dessus. Nous n'aurons qu'à répliquer aux attaques. Je vous accompagnerai bien, mais je dois contenir les attaques digitales. Switch, je vous fais confiance à vous de capturer l'instigateur. Okay. Compris. Je me demande. C'est tout à fait probable. Dans ce cas, nous allons devoir être très prudents. Ah, peut-être que Gunko Enoshima est là-dedans. Hein? On l'avait vu dans la dernière, vidéo. Je passe devant. Je suis la seule d'entre vous à savoir me battre en cas de danger. Ah, d'accord, merci. Ok, mais gros, et vous là, le civil maquillé en train à ma plat de velours dans la pièce secrète. Oh, si je savais pas que c'était aussi lent. Je vais manger le petit mou de crème là. Je sais, je devrais pas manger, mais. Comme mieux pour ma bouche, parce que franchement là, t'as l'année pour de bonnes dire. Ouais, donc on ressemble, cette pièce secrète, elle est plus grande que je le pensais. Vous ne trouvez pas que l'atmosphère de cette pièce. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Est vraiment proche du Remnant du désespoir de Junko Nishima. Donc ici que l'instigateur se cachait. Où est-ce qu'il est? Montre-toi! Oh! C'est pas la voix de Monokuma ça? C'est la voix de Monokuma? Bienvenue au dernier niveau du boss final, on fait mon tour d'entrée en scène! Où es-tu, d'où sort cette voix? Ou attends, ce serait pas ça? Ce rideau il cache quelque chose. Je serais tout dessous de. C'est. Oh, en tout cas, vous avez lu la fatigué de l'heure. Regarde. What? Mais là, comme on disait. Sûrement sa tête. Elle a pris une saison dans le désespoir. Oui, le désespoir ultime. Tout a commencé dans l'académie du pic de l'espoir. Et tout est intimement lié.
La tuerie représente le désespoir lui-même. Qu'est-ce qu'il raconte? Tu es Monokuma? Bien sûr, mais pas un simple Monokuma. C'est moi qui ai le contrôle de ce jeu et c'est moi le géniteur de tous les Monokuma. Et j'ai un nom spécial lié à mes facultés spéciales, Madokuma. Madokuma, t'es sérieux? Madokuma? Est-ce que c'est toi la machine à fabriquer des Monokuma de rechange? Oui, c'est moi. Tu vois la magnifique machine qui se trouve derrière moi? C'est avec elle que je crée autant de copies que je veux. Avant d'y implanter mes pensées. Bref, je peux me donner naissance à volonté. Mais si je te tue, je te casse la gueule, t'es fini alors. Quoi, des copies de Monokuma? Tu es capable d'en fabriquer aussi facilement que ça? De ta part, je suis un robot ultra sophistiqué, c'est pour ça. Il pourrait très bien nous mentir pour nous embrouiller. Oui, je le trouve bien bavard. Pourquoi il nous donnerait toutes ces informations? Je ne vous mens pas, rien de plus simple que de me fabriquer. Dans ce cas, montre-nous pour voir. Bonne idée, fabrique un Monokuma devant nous. Quoi, qu'est-ce qu'il a? Procréer un moi comme ça, sans amour, et puis quoi encore? Vous avez pensé à son éducation future qui va s'en occuper, hein? Tu as des débouchés d'en créer, d'en procréer un, oui ou non? Non et non, pas question, pas avec quelqu'un qui ne m'aime pas. Débouchés de procréer un nouveau Monokuma. Tu écoutes, on te demande de procréer un double Monokuma. Nous ignorons, cette histoire de copie, c'est un mensonge, sans aucun doute. Un mensonge? Même si c'est un mensonge, alors à quoi sert cette machine? Il y a forcément une raison à son mensonge, c'est obligé. Ok. Et sans ce Monokuma où il est, examinons plutôt cette pièce. Oui, l'instigateur se cache peut-être quelque part ici. Terra, ne reste pas planté là, aide-moi plutôt à le trouver, d'accord? La raison, commençons par voir ce qui n'est pas caché quelque part ici. De plus, j'ai le sentiment que cette pièce renferme beaucoup d'indices. Ouais, tu me niaises? Yo, elle est liée à la bibliothèque où tout a commencé, je suis sûr qu'il y a quelque chose. Ok, on a... Mais moi, je suis curieux, c'est quoi ça? Oh, monopasse, c'est ça que je voulais. Oh! Avec trace de sang dessus? À qui il appartient et pourquoi il est plein de sang? Aucune idée, voyons voir ça de plus près. En l'allumant de nom, le nom de son propriétaire devait apparaître. J'appuyais sur le bouton marche pour allumer le monopade. Quoi? Bonus survivant, mais alors ce monopade, le voilà donc l'autre bonus survivant de Rentaro, il possédait donc un autre monopade en plus de son carnet normal. La carte détaillée de toute l'académie des prodiges condamnés, avec des endroits à accéder plus tard grâce aux babioles de Monokuma. Et cette pièce secrète est également indiquée, c'est donc bien la carte complète de tout le campus. Rentaro a donc reçu cette carte en tant que bonus survivant, c'est pour ça qu'il était au courant de l'existence de cette pièce. Qu'est-ce que c'est que ça? Indice pour terminer la tuerie. Un indice pour mettre fin à la tuerie. Attends. Juste voir de l'attraper à ce moment-là, certainement pour voir. À ce moment-là, certainement pour avoir. Pour avoir un espoir. Ah, what? Attends, tu auras besoin du monokuma de rechange pour avoir un espoir de l'attraper. À ce moment-là, certainement vers la pièce, l'instigateur se dirigea caché au fond de la bibliothèque. Je prédis que cet indice est la preuve que je dis vrai. La première chose dont tu te souviendras, c'est la seule solution ultime. Ne partage cette information de confiance qu'avec des gens. Ce choix déterminant ta survie ou ta fin. Timing pour le démasquer lorsqu'il fabrique une copie de Monokuma. L'instigateur se rend alors dans la pièce secrète de la bibliothèque. Preuve de la véridicité de cette information. Donc, la première chose que tu te souviendras, ce sera la chose solution ultime. Ne partage cette information qu'avec des gens de confiance que tu as à la vie. Signé Rentaro à Mamie. Ok. L'indice délivré par Rentaro pour lui-même. Ça explique pourquoi il nous a parlé de la chasse aux lycéens et tout dès le début. Ah, excusez-moi. Je peux pas relire des choses qu'on a déjà lues. Il n'avait sûrement pas à croire en tout ça et pour avoir le cœur net, il est venu vérifier directement dans la bibliothèque. D'accord, je comprends mieux. Ce monocam pad n'était pas celui-ci donc dont nous nous surveillons tout comme carnet. Mais pourquoi est-ce qu'il est plein de sang et à qui il appartient ce sang? Donc vérifiez ça de suite. Si nous parvenons à le découvrir, nous devrions faire un grand pas vers la vérité. Le vérifier, oui, mais comment? Avec les photos prises par les appareils photos que nous avons installés dans la bibliothèque, elles doivent sûrement se trouver dans la chambre de Kokichi. C'est vrai, il avait recouvert toutes les preuves des meurtres précédents. Ces photos doivent se trouver quelque part dans le bazar de sa chambre. Mais de quelles photos tu vas
pas avoir besoin, il y en a plusieurs, n'est-ce pas? La dernière photo de Morantaro, celle où il essaie d'éteindre l'appareil. Lorsque le flash de l'appareil l'a attiré vers lui, donc. Compris, je vais te chercher ça tout de suite. Mais fais attention, Kibo est encore en train de se battre dehors contre les Ezicales. Tu sais à qui tu parles, là? Tu veux que je te tue? Yola, elle utilise ça comme son meme, je sais pas, là. Je comprends enfin à peu près comment tu me dis ça. Je comprends enfin à peu près quand tu me dis ça pour me plaisanter. Ouais, j'avais vu ça, tu souriais, si quand tu faisais ça pour plaisanter. Poubelle, ok, qu'est-ce qu'il y a dans la poubelle? Regardant à l'intérieur, on ne sait jamais. J'ouvris le couvercle sans vraiment espérer trouver quoi que ce soit, mais... Quoi? Sans la surprise, je n'arrivais pas à retenir ma voix. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que je sortis de la poubelle pesait bien plus lourd que ce que je l'aurais imaginé. Un poids? Mais qu'est-ce qui fait bien ici? Il n'y a aucune trace de sang dessus, ce n'est pas celui que Kaede a utilisé. What? Oh my god. Non, laissez faire. Je suis pas sûr, mais il y a quelque chose qui me dit que... Non, laissez faire. Je pense pas. Je suis pas sûr. Oh my god. Mais alors d'où il sort et surtout, qu'est-ce qu'il fait là? Ah. J'ai remarqué la présence de quelque chose sur la surface du poids. Du fil? C'est du fil de couleur rose collé sur le poids. Excusez-moi. Du fil rose? Seconde, mais alors ce poids? Je crois que je commence à voir, ouais. Et moi, je commence à me demander si c'est vraiment Kaede qui a tué Rantaro Amami. Parce que, déjà, le monopode est rempli de sang. Il a été enlevé. Puis, le poids ici, il y a un truc rose. Ça serait pas peut-être un fil du sac de... la fille, la Kaede, ou ses cheveux. Je sais pas si elle avait cheveux roses. Moi, je pense pas, je m'en rappelle plus. Ouais, moi aussi. Oh shit! Le temps passe vite, putain de merde! Porte à moitié cassée. Il faut vraiment que je fasse des... Nous sommes enfin parvenus à rentrer ici grâce à l'intervention de Thibaut. Il fallait normalement une clé digitale pour ouvrir cette porte cachée. Nous n'en avons pas, bien sûr. C'est pour ça que nous ne sommes jamais rentrés ici. Mais apparemment, il n'y a pas de tiroir de ce côté de cette pièce. Et rien qui ressemble parmi les décombres. Ce qui veut dire que pour aller dans la bibliothèque, pas besoin de clé. Dans ce cas, la poussière que j'ai placée ne servait à rien si quelqu'un sortait de la pièce. Porte cachée... Oh shit, putain de merde! Ok, mais là, je fais quoi, là? Sérieux? Attends, peut-être qu'il faut que je parle à eux. Oui, tu dois sortir cette voix. Monokuma, répondez-nous. Où se cache l'indicateur, s'il vous plaît? Tu vous vois, cette magnifique... Oh! Hein, mais si je vous le dis, ça ne va plus être amusant du tout, quoi. Cette pièce est visiblement arrangée pour un membre des remnants du désespoir. Ah, ça se voit, bien vu. C'est tout à fait ça. La personne que vous cherchez vient en effet souvent me rendre visite. Souvent? Mais vous ne la trouverez jamais. Elle n'est pas aussi stupide que vous le pensez. Comment? L'instigateur ne se trouve donc pas ici? Le détail qui m'interpelle le plus vient souvent ici. On dirait que ça ira bien remarquer mon petit indice. C'était un indice? Pourquoi tu nous donnes des indices? Tu tiens à ce que l'on découvre la vérité? Même si vous y parvenez, du moment que ça met l'ambiance à cette tuerie, moi ça me va. Même si cela nous permet d'y mettre fin. Mettre fin à la tuerie? Ah là là, mais combien de fois vous allez me faire répéter sa tuerie est éternelle? Quoi que vous puissiez faire, ne s'attrapera jamais. Ce jeu de la mort, c'est le désespoir lui-même et vous devriez le faire disparaître. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pas besoin de réfléchir à toutes mes paroles. Qu'elles aient un sens ou non, la réalité est devant vos yeux. Au papa, vous allez devoir l'accepter que ça vous plaise ou non. Oh. Ok, on a eu un autre indice, génial. Je crois que j'ai vérifié tout ce qu'il fallait ici. Ça veut dire que trace de l'instigateur ici, il n'était donc pas caché dans cette pièce. Check ça et switch, tu as terminé? Oui, quasiment, mais j'ai le sentiment qu'il reste encore quelque chose de caché ici. Oh, c'est quoi encore ces souvenirs? Encore ces flashbacks? Oh god, mais pour de vrai là, des fois cette lumière, je la trouve fatigante. Oh my god! Oh. Qu'est-ce qui se passe? On a pas déjà vu ça ou c'est un autre truc? Quoi? Où est-ce que je suis? Quoi? Monokuma? C'est la première fois que nous nous rencontrons, mais tu me connais déjà. Voilà ce que c'est d'être célèbre, forcément. La tuerie de l'Académie du Pic de l'Espoir a quand même fait 100% de Dima. Qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que... si c'est un nouveau grand départ, ici même, oui, une nouvelle tuerie... va débuter par le biais du Blanc Gaffer.
une souris. Bien, maintenant tout va se passer comme tu sais. Vous allez tout perdre la mémoire et oublier vos souvenirs jusqu'à aujourd'hui. Que ce soit la responsabilité du plan Gopher ou l'espoir que l'humanité porte en vous. Bien sûr, vous allez aussi oublier que vous êtes les 16 derniers survivants de la Terre. Est-ce que votre jolie promesse de devenir ami et tout le reste avec. Vous allez tous oublier et débuter cette durée dans la joie et de la bonne humeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça ne sert à rien de me poser des questions. De toute façon, tu vas tout oublier. Qui es-tu? Qui es-tu? Junko Onishima est déjà mort depuis. Je viens de te dire que tes questions étaient inutiles. Tu vas tout oublier maintenant. Tu mens, je ne veux participer à aucune tuerie. Tadadam, la torche de l'amnésie. Quoi? La torche de l'amnésie permet d'effacer la mémoire de n'importe qui comme ça, hop! La lumière qu'elle émet stimule le système nerveux et l'hippocampe y influe sur... Ah, attends. Oh non, je ne t'attends pas! Je vais allumer ma torche sur toi et t'enfermer dans un placard pendant que tu es évanoui. Ce sera le début d'une nouvelle tuerie. Oh my god, je commence à être fatigué de lire. En même temps, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Bon, ouais, les mêmes bullshit que d'habitude. Ça m'est revenu, oui. Ces souvenirs disparus viennent de me revenir à la mémoire. Ça s'est passé juste après notre sortie du sommet chirurgique. Oui, ces souvenirs datent de juste avant le début du jeu. Mon Akuma nous a réveillés un par un, puis nous a effacé la mémoire. Il nous a plégés dans cette tuerie sans qu'on ne puisse rien y faire. Alors, nous étions promis de devenir amis et de rester unis. Mon Akuma, tu as payé pour tout ce que tu as fait. Je ne lui pardonnerai jamais, non jamais. Je pense à la même chose que vous, mais restons concentrés sur nos recherches. Il ne reste plus beaucoup de temps avant le lever du soleil. Bien, je me charge de cet endroit, allez inspecter d'autres pièces. Quoi? Il reste encore des choses à découvrir ici, faites-moi confiance, je vais même m'occuper. Je suis la seule à ici à n'avoir aucun rien trouvé d'utile. Je vais me rattraper d'un seul coup. Tu vas te débrouiller tout seul? Bien sûr que oui. Avec ce dernier flashback, mon malin est en train de bouillir de fureur. Je vais mettre à la main sur mon document et le cerveau de ce jeu. Vous allez voir. Compris, Miko, je te compte sur toi. Tu vas vraiment m'abandonner ici? Si tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas besoin de te forcer à dire tout ça. Non, tu vas bien se passer, j'ai un fait, j'espère. Je vais faire tout ce que je peux pour répondre à vos confiances. Combien même je devrais me consumer en utilisant tous mes pouvoirs maléfiques. Ne me dis pas que ça pourrait te porter malheur. C'est juste pour vous prouver ma détermination, vous allez enquêter le cœur léger, merci pour ton aide. Puis allons, calme-nous faire tous les deux, nous séparer peut-être pour gagner du temps. Oui, allons inspecter les laboratoires de tout le monde à nouveau. Je me demande si nous n'avons rien oublié dans le laboratoire en particulier. Compris, allons-y. Faites attention à vous. Merci à vous, toi aussi. Yo putain de merde, t'es sérieux? Putain, il me reste pas beaucoup de temps là. Alors que sortons dans la chambre cachée, nous découvrîmes Kibo en train de se battre avec un Nezissan dans la bibliothèque. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Ah! Vous allez bien, vous n'êtes pas blessé? Non, ça va. Oh oh. La porte des. Himiko. Oh shit, elle est enfermée, c'est vrai. Oh merde. La porte est bloquée par toutes les décombres moyens de rentrer dans la pièce. Est-ce que Himiko serait bloquée à l'intérieur? J'en ai bien peur. Kibo, tu ne peux rien faire pour nous? Je vais détruire ces débris, mais je ne sais pas où se trouve Himiko. Tira un nouveau dessus pourrait bien se mettre sa vie en danger. Tu veux qu'on l'abandonne enfermé là-dedans alors? Mais c'est pas n'importe quoi, nous sommes tous des alliés, non? Je suis malheureusement pas assez forte pour se blesser grave. Suzon est un exissal. Comment? Suzon est un exissal, mais comment? Nous n'avons plus la télécommande de Mew et les exissals sont déjà pris par les Monokuma. Demandons à Monokuma de le faire pour nous alors. Un Monokuma? Oui, l'objectif principal de Monokuma est de poursuivre ce genre de jeu. Vous voulez lui demander de venir ici afin de pouvoir poursuivre cette tuerie? Mais Himiko est peut-être en danger, nous devons lui porter secours. Non, vous vous trompez. Je n'ai qu'un objectif, c'est mettre un terme à tout ça. À quoi pensez-vous donc bien réfléchir? Vous avez un plan en tête? Oui, bien sûr, je vais avoir besoin d'enquêter encore plus, un peu plus. Je continue mes investigations pour le moment. Comment, mais Himiko? Bien sûr, je m'inquiète pour elle, mais faisons-lui confiance. C'est pas. C'est ce qu'elle nous a demandé de faire, croyant en ses paroles. Si nous ne faisons plus rien, c'est comme si nous trahissons sa confiance. Entendu, après tout, Himiko est la seule sorcière ultime. Qu'elle va utiliser ses pouvoirs pour trouver les indices dont nous avons besoin. Oui, je suis sûr qu'elle est capable. Qu'elle en est capable. Si vous voulez trouver de nouveaux indices, je vous conseille d'aller au deuxième étage. Comment? J'ai apprécié quelque chose d'étrange pendant que je me battais dans les airs contre un exissable de retrouver des indices intéressants sur place. Je vous conseille de vous y rendre. Des indices intéressants? Vite, dépêchez-vous, il ne reste plus que beaucoup de temps avant le matin. Yo, tu me niais, il ne reste pas beaucoup de temps du tout. Mais je suis inquiet pour moi aussi, pour Himiko. Kibo, mais tu ne rallonges pas le temps limite que tu t'es toi-même fixé? Je suis désolé, mais je n'aimerais pas pouvoir retenir les attaques des exissables plus longtemps. Et si je ne détruis pas toutes les. Dans les plus brefs délais, c'est à moi qui risque de périr. Je ne veux pas laisser. Cette unique chance d'anéantir le campus, ce serait pour moi la pire des conclusions. Non, le résultat le plus désespérant. Kibo. Hey,
Tu me dis, je vais jeter un œil aux classes. Je ne vais sans doute pas réussir à tout examiner, je vais faire de mon mieux. À tout à l'heure. Bon. Ok, elle est partie au courant de la, vers la bibliothèque. Minoko, ne bouge pas, nous revenons te sauver tout de suite. Nice, dernier pouvoir. Oh putain de merde, vous avez vu? Il reste plus beaucoup de temps là. Oh, non, je veux pas savoir, j'ai chargé. Tu peux me donner une crise cardiaque là après tout ce qu'on vient de faire là? Yo, dites-moi qu'il n'y a pas un exécal, s'il vous plaît, monseigneur. S'il vous plaît, monseigneur. S'il vous plaît, monseigneur. Oh shit. C'est pas là donc. Yo, s'il vous plaît, il reste pas beaucoup de temps là. On est mieux de se grouiller. Ok, Yo putain, il faut faire 4 fois? 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Salle de classe, c'est. C'est où qu'il faut aller? On va-tu aller dans celle. Bien rentré à l'intérieur pour inspecter, le jour va bientôt se lever. What? Ok, c'est dans la classique, il fallait rentrer, je comprends pas. Oh oui! C'est quoi ça? Ok, il m'a dit qu'il avait passé en se battant dans les airs. L'état de la classe, je pense qu'il devait pouvoir l'apercevoir depuis le ciel. Imagine donc que c'est de cette pièce qui parlait. Bien voir de ça de plus près. Vestiaire, ok. Ok, mais c'est pas ça de que parler Kibo. Sais-tu... NON! Bruh. T'es sérieux là? God! Mais comment j'ai pris autant de temps? Ne dis-moi pas que je dois tout recommencer s'il vous plaît, je vous en supplie. Ok, une chance! Seigneur, seigneur, seigneur. Ok. M'en fous si je dois recommencer. Nice! Au moins, il me donne du temps encore, s'il vous plaît. Bon, Ok, mais c'est quoi alors? Il a dit en haut. Je comprends. Je catch pas. C'est quoi qu'il a aperçu, lui? Est-ce que vraiment dans cette pièce? C'est pas ça, non, c'est pas ça. S'il vous plaît, pouvez le rendre ça plus visible, sinon c'est impossible que je réussisse. J'en supplie là. On se fait la porte. Ok, mais... Oh! Ok, je comprends. Savais-tu, moi, qu'on pouvait se débarrasser des trucs? Oh, c'est quoi ça? What? Ce bureau, qu'est-ce que c'est? Il est relié à un clavier flottant. On dirait qu'il est connecté à un ordinateur. C'est sans doute ça que me parlait Kibo. J'ai pleuré du doigt le clavier que je venais de découvrir et... What? Attends, j'ai souvenir setup. J'avais dit que les souvenirs étaient sûrement faux. Il est possible de modifier ces données. J'appuyais sur le bouton entrée du clavier qui se trouvait devant moi pour vérifier. Bonjour, maître du jeu. Talent de chaque lycéen ultime. Funérailles. Les menus avec plusieurs options descendant jusqu'au bas de l'écran. La fin du monde et le plan Garfeu. Le monde extérieur en ruine. La pire tragédie de l'histoire de l'humanité. Débloquer de nouveaux souvenirs.
J'ai essayé de fabriquer une nouvelle torche en sélectionnant cette option, je vais essayer. The fuck? J'ai essayé le souvenir à se remémorer. Il reste donc tant de souvenirs que cela à nous remémorer. Non, c'est des fake souvenirs. Alright. Ces options m'intriguent, mais commençons par celle-là, les survivants. Choisissez le souvenir à se remémorer. Il n'y a pas de survivants, il y a d'autres survivants dans l'arc, les survivants sont sur une autre planète. Mais quoi choisir ces souvenirs? Ce sont les nôtres, mais si nous les avons oubliés? Ils reflètent la réalité, comment peut-on choisir entre plusieurs vérités? De plus, le contenu de ces informations diffère et se contredit même suivant les options. Ce programme veut qu'on les sélectionne la bonne réponse. Choisissant celle-là, les survivants sont sur une autre planète. Ce réponse serait un gigantesque espoir pour nous si c'était vrai. Ok. What? Si je clique, qu'est-ce que ça va faire? Bon. Ce bruit. Il venait de ce placard. Yo, jure, c'est vrai? Je savais pas. Oh god. Bon, le placard. Le bruit que j'ai entendu venait de ce placard, j'en suis sûr. Ouvrons-le pour voir. Oh, une torche des souvenirs. Elle vient d'apparaître. Il est donc possible de fabriquer des torches des souvenirs avec ce bureau. Pourquoi est-ce qu'une simple machine pareille a été cachée dans une salle, simple salle de classe? Il doit sûrement y avoir un interrupteur dissimulé qui part dans cette pièce. En appuyant sur cet interrupteur, je devais pouvoir actionner tout le système. En détruisant cette pièce, l'interrupteur s'est allumé. C'est comme ça que Kibo l'a aperçu. Ce programme de fabrication des torches de souvenirs m'intrigue au plus haut point, peu importe. Il n'existe qu'une seule vérité, il est censé être en être de même pour les souvenirs. Et ce programme nous laisse les choisir. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que c'est des faux souvenirs. Il n'existe pas qu'une seule vérité, mais alors, où se situe la frontière entre la vérité et le mensonge? Laisse-moi deviner, c'est la petite fille, là, la sorcière. Ah, je le doutais, je m'en doutais. Excusez-moi. Quoi? Le bureau vient de retrouver son apparence d'origine. Elle a été fabriquée pour se ranger automatiquement lorsqu'on ouvre la porte, afin que personne ne puisse découvrir cette installation. La personne qui utilisait ce système ne voulait sûrement pas se faire surprendre. Elle redoutait que nous l'apercevions en train de manipuler cette machine, donc. Indice sur l'instigateur, ok. Serhan, je ne sais pas à quoi tu penses, mais tu pourras au moins faire semblant d'être content. Ah oui! Comment Himiko est parvenue à sortir de la pièce secrète? Elle est pourtant bouchée. Sûrement parce qu'il y a un passage secret. Himiko, comment tu as fait pour sortir de la chambre secrète? L'entrée s'est retrouvée bloquée à cause du combat entre Kibo et les Exisales. Et le Saint-Fécien, j'ai souci pour toi. Ah, tu n'as vraiment aucune idée de la façon dont j'ai pu sortir cette pièce? Okay. Non. Oh, je vois, tu ne comprends donc pas. Très bien, tu me laisses pas le choix, je vais te le dire alors. Je me suis échappé grâce à mes fabuleux pouvoirs magiques. Miko, ça me fait... ce n'est vraiment pas le moment de plaisanter. Et bon, Kimiko, ça va? Pof, j'ai pas passé l'un, j'ai bien cru que j'allais y passer. Je viens de te le dire, nous n'avons plus tant de temps à perdre. C'est bon, je vais tout te dire. Bien sûr, j'ai utilisé ma magie, mais pas seulement ça, je suis sorti de cette pièce. Par les toilettes du bâtiment principal au premier étage. Ouh, les toilettes. Quoi, les toilettes? On y va tous les deux pour voir? Quoi? Non, ce n'est pas pour qu'on aille faire pipi ensemble, ne me méprends pas. Pas de soucis de ce côté-là. Les toilettes au premier étage, quel est le rapport avec la pièce secrète? Je crois que tout est... Je crois que j'ai tout examiné ici concernant les torches de souvenirs. Compris, je te suis, alors voir cette toilette. On va tout tomber sur... Oh non. Nice. Ok, on n'est pas tombé sur un exisal. Je pense qu'on va plus tomber sur les exisals là maintenant.
Ok, ouais, on rentre. Oh! Ok, je dois lui demander avant. Yeah, c'est pas le plus. C'est bête. Quoi, tu m'as fait venir? Quel est le rapport avec la pièce secrète? Rentre et tu verras bien. Suis-moi. Ok, elle rentre dans les toilettes des filles. La situation est urgente, hein, puis ce n'est pas le moment de m'arrêter ce genre de détails, bien allons-y. Ouais, pas de... Excusez-moi. J'ai lu en tout cas. Si vous n'avez pas compris, c'est pas mon problème. What? C'est bien une toilette que je trouve qui est bien étrange. Pour résumer, c'est pareil que pour la tuerie des Kamimi du pic de l'espoir. Quoi, comment ça? Okay. Oui, tu t'en souviens pas? Les toilettes étaient reliées à une pièce secrète. Les toilettes sont reliées à la pièce secrète. Regarde dans le placard à balai. Tout ça sent bien les plans de Remanent des Espoirs. Placard à outils. Ah ok, mais j'étais même pas sûr qu'il y avait ça. Il y avait vraiment ça. Un placard à balai, tout ce qu'il y a de plus normal à le mur du fond peut-être. Je faisais alors lentement la main sur le mur du fond et... Waouh! Un passage secret. Alors, surpris, oui, un passage secret caché au fond des toilettes. Passe devant, je te suis. D'accord. Je m'en étais alors à l'intérieur du couloir qui s'offrait à moi. Oh, laisse-moi devenir, ça doit ramener jusqu'à là-bas. Porte. Ok, il y a les gestes ici. Comment ça, il y avait une autre porte? Ça donne... Ok, ouais. Ouais, ouais, on a compris. Ah, ok, donc c'était là. Le... Je commence à être fatigué. Bref, c'est un vrai passage secret en bonne et due forme que seul l'instigateur connaissait. Ok. Ok, mais... On va-tu voir Modokuma? Est-ce qu'il est vraiment cassé? Oui, en 1000 morceaux. Ah là là, je crois que j'en ai plus pour longtemps. Vous voyez de donner naissance au moindre Monokuma dans cet état. Donner naissance à un autre Monokuma? C'est sûr de procurer des copies de Monokuma, ce n'est pas un mensonge? Bien sûr que non. Puis zut, c'est la fin pour moi, je peux bien te le dire. Je fonctionne sur commande vocale. Et lui, suffisait de me dire à voix haute procréer pour que j'en mette un au monde. Il lui suffisait. Mais moi, forcément, je voulais les enfanter dans un environnement plein d'amour. Attends une seconde, tu parles bien de l'instigateur, n'est-ce pas? Il doit donc te donner l'ordre vocal de procréer ses copies pour que tu y arrives. J'espère que tu as apprécié mon dernier petit service. Donc, vers la tuerie. Ok, il est vraiment mort. Quoi, attends? Je crois qu'il est cassé pour de bon cette fois. Oui, il vient de nous fournir une information cruciale. Mondokuma n'était donc capable de procréer que sur un ordre vocal de l'instigateur. C'est intéressant. Comment ça? Bien, je vais t'expliquer comment j'ai réussi à m'échapper de cet endroit. Je t'écoute. L'instant d'après votre départ, une énorme explosion m'a fait rouler bouler au fond. Et en ouvrant les yeux, tout était dans cet état. Une chance qu'il ne soit rien arrivé. Qu'est-ce que tu veux? On est une sorcière vétéran ou on ne l'est pas par contre? La sortie de cette pièce s'est retrouvée bouchée par un tas de débris. Crois-moi, j'ai réalisé que j'étais enfermé. Ici, j'ai eu un peu paniqué. Et qu'est-ce que tu as fait après? Je tapais sur toutes les murs et le plancher pour appeler à l'aide, bien sûr, très calmement. Ouais, je sais, moi aussi. C'est comme ça que j'ai découvert ce passage secret, tout est bien qui finit bien. Et en sortant des toilettes, Kibo m'a dit que tu étais dans une classe du deuxième étage. Je t'ai rejoint le plus rapidement possible. D'accord, je comprends mieux maintenant pourquoi... je suis content que tout se termine bien. Alors, mes expressions ont été utiles? Quoi? Je crois qu'elle a besoin d'être un peu rassurée. Mais il est temps de partir d'ici. Si jamais des décombres venaient à boucher les toilettes, nous ne pourrions plus nous enfuir. Miko, c'est bon, je crois que j'ai terminé mes recherches ici. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un homme ou non? Alors ne fais pas le timide, dis-le-moi franchement. Quoi donc? Même à découvert de ce passage secret est une trouvaille capitale, je voulais le rendre utile moi aussi. J'ai envie d'y parvenir depuis le début de l'enquête. Ah, ça te tracassait? Ça peut te rassurer, la découverte de ce passage secret est une information essentielle.
C'est vrai, normal, c'est moi qui l'ai trouvé parce que je vaux bien. L'immensité des pouvoirs de ma magie me fait presque peur parfois. Oui, sans doute bien. Sortons d'ici maintenant. Oh non, mon gars, je suis fatigué. Oui, s'il vous plaît, sortons d'ici, je suis fatigué. Ah, mais là, il faut vraiment repasser par là. En gros, si vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, faut vraiment sortir d'ici, je veux dire, what? Ok, c'est bon. Qu'est-ce que j'étais? J'ai oublié. Faut faire tout le tour. Ah oui, c'est ça, non, j'avais dit, j'ai oublié que la porte en bas était barrée. Je suis plus soulagé des revenus ici, sain et sauf. En fait, j'irais bien faire un petit besoin tant que j'y suis là. A compris, je t'attends dehors. Ok. Ok, Mark est à son bon prestige. Oui, oh, come on, là. Ah! Qu'est-ce que tu fais dans les toilettes des filles? Ah, Mark, ce n'est pas ce que tu crois. Yo, franchement, là, come on. Yo, tu penses que c'est le moment de penser à ça? Tu veux que je te tue? Un malentendu, je te promets. Yo, c'est parce que genre, l'académie est en train de chaud. Tu penses vraiment qu'on va rentrer dans les toilettes? Qu'est-ce que t'as à foutre pour de vrai? Tu sais, j'ai des toilettes, là. Yo, pour le travail, en passant, moi, je suis déjà rentré dans les toilettes de filles parce que je devais nettoyer. Par le passé, bref. Genre nettoyer, vous savez, nettoyer, genre, par exemple, tu nettoies chez quelqu'un ou... Ben moi, je nettoyais dans un bâtiment. Puis, excusez-moi, à part des... qu'est-ce que j'allais dire? À part là, une petite boîte en métal là où on met où les personnes mettent les femmes mettent leur serviette sanitaire là. Y'a rien de si incroyable là-dedans là. Franchement, je trouve que c'est un peu abusé là, sa réaction. M'avait coupé l'envie, vous êtes fiers de vous? Mais non, tu étais ici. Là, je peux comprendre qu'elle trouve ça bizarre, mais quand même. Mais non, je te jure, tu te fais de fausses idées. Mais bon, j'imagine que tu n'es pas rentré là-dedans sans une bonne raison. Je vais te faire confiance. Merci, je sens encore ton aura d'assassiné planer au-dessus de ta tête. Regarde plutôt ce que je t'ai rapporté. La photo de Rantaro m'a mis. Merci, je t'ai jeté un coup d'œil à celle-ci. Hein? Exactement comme je le pensais. Je marmonnais ces mots à haute voix sans même m'en rendre compte. Tout venait de se relier à l'intérieur de ma tête. Oui, tous les mensonges auxquels nous avions dû faire face venaient de prendre leur sens. Tout avant décès, ouais. À mon avis. C'est pas Kaede qui a tué le gars. Mon opinion. Je sais pas c'est qui et comment ça s'est passé, mais bon. Oui, je devrais pouvoir l'affronter sans crainte maintenant. Instigateur et organisateur de ma mort, mettre en définitive à ses visites en temps. C'est écrit sur ton front que tu as découvert quelque chose d'important. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? C'est bientôt le lever du soleil. Oh non, on n'a pas réussi à trouver l'identité de la cachette de l'instigateur. Ne vous en faites pas, j'ai ma petite idée là-dessus. Pour y aller chercher Tsumugi, elle doit être en train de fouiller dans les laboratoires. Une fois toutes les trois réunies, venez me retrouver dans le jardin. Je passe devant, je vous y attends. Comment ça, qu'est-ce que tu veux faire? Achever cette tuerie. Ah, mais n'aime pas trouver qui était son instigateur, comment tu veux? On verra ça après, nous n'avons plus le temps, allons chercher Shirogane. D'accord. Je suis fatigué, je suis content que c'est bientôt fini. Himiko et Maki partirent en courant, me laissant tout seul dans les couloirs. Je vais stopper dans le jardin afin de stopper la tuerie. Je dois empêcher Kibo de détruire l'académie des prodiges condamnés. Oh god. Bon. Ok, là, je pense que c'est la fin qu'est-ce que j'allais dire? Vous savez, avant le chat class trial, mais je sais pas si ça va être un class trial, comment ça va se passer? Je sortis alors dans le jardin et hurlais de toutes mes forces. Kibo, Molokuma, arrêtez de vous battre! J'ai trouvé un autre moyen de régler nos différends et qui devrait convenir à tous. Je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous dire. Ma voix résonna dans tout le jardin et quelques secondes plus tard... Le temps limite dont nous avions convenu arrive bientôt à son terme. Sushi, vous trouvez la réponse que vous cherchez, je l'espère. Dans tous les cas, l'heure de la dernière chance a sonné. Je n'ai pas trop ce que tu veux dire, mais ces combats de robots commencent à m'ennuyer. Vas-y, je t'écoute. Un autre moyen de quoi vous voulez parler? Un procès de classe. Retrouvons-nous tous au tribunal de classe pour un dernier procès. Ouais, je sais. Je me disais, mais comment ça se passait? J'imagine que cette fois, il faut trouver l'instigateur. Comment pouvez-vous? Vous avez l'intention de poursuivre cette tuerie? C'est une plaisanterie, je pensais que vous voulez y mettre un terme. Non, je suis sérieux. Nous allons tenir ce procès de classe pour tout achever. Comment tout achever en tenant le procès? C'est à ce moment que Maki, Tsumugi et Himiko arrivèrent en courant vers nous.
Tu peux répéter ce que tu viens de dire en procès de classe? Tu es sérieux? Tu penses pouvoir nous sortir de ce jeu en tenant un nouveau procès? Oui, vous êtes tous là. Eh bien, écoutez-moi. Arrêtons de nous battre et retrouvons-nous tous au tribunal. C'est uniquement en dévoilant la vérité sur cette tuerie que nous arrivons à la vérité. Stopper la tuerie en dévoilant la vérité sur elle? Qu'est-ce que tu fais dire cela? C'est une question que nous aurons l'occasion de régler sur place. C'est toi qui nous as tous obligés à y participer. Mais cette fois, c'est nous qui allons nous en servir pour te renverser. Et pourquoi il faudrait organiser un procès de classe si la personne est mort? Hein? Mais bon, si tu insistes, je ne vais pas faire la fine bouche, d'accord? Comment? Ben oui, ce n'est pas drôle de se battre contre un robot à moitié déglingué. Et puis je trouve ça plutôt amusant que ce soit vous qui vouliez tenir ce procès. Allez, je vous accueille à bras ouverts, j'espère qu'on va bien s'amuser. Tout ce qui l'intéresse, c'est le bon déroulement du procès et rien d'autre. Encore une preuve de plus que cette tuerie. Mais qui dit procès de classe dit conclusion pas forcément à votre avantage. Comment ça? Oui, pas envie que ça se termine sans chute digne de ce nom. Si jamais la vérité n'éclate pas au grand jour comme tu sembles le viser, faudrait que tu prennes en compte personnellement la responsabilité. Bien sûr. Tu sembles bien sûr de toi. Et vous là-bas, la responsabilité collective, ça vous parle? La responsabilité collective? Nous n'avons plus peur de rien désormais. C'est RH, je te fais confiance même si jamais tu venais à perdre ton duel contre Monokuma. Je te tuerai avant qu'il s'en charge. Je sais bien. Oui d'accord, ce n'est pas le moment de se faire pipi dessus. Nous sommes des camarades, des alliés, et ensemble nous n'avons peur de rien. Kibo? Bien sûr, pas de tous ces armements à l'intérieur du tribunal. Je n'ai pas envie qu'il en abuse au cas où la situation tournerait mal pour vous. Je dois donc enlever tout mon équipement. Si je l'ai oublié, nous perdons notre dernière chance de pouvoir détruire cette école. C'est notre toute dernière possibilité de ne pas laisser de la laisser gagner. Vous êtes sûr de vous? Kibo, fais-moi confiance, je t'en prie. Ne pas laisser Monokuma, ce n'est pas mon objectif. Je veux que nous le battions une fois pour toutes. Nous allons vaincre le désespoir à la force de l'espoir qui nous anime. Vous êtes certain que tout va vraiment se passer comme vous le souhaitez? Oui, si nous en donnons les moyens. Et c'est en croyant jusqu'au bout que nous allons transformer nos espoirs en réalité. Nous devons y croire. Ok. Kibo, faisons confiance à Suichi. Tu n'as pas envie de mourir ici, pas vrai? Nous sommes tous alliés, nous devons croire en nous. C'est entendu, je dépose les armes. Allons vérifier à ce procès de classe. Kibo, merci. Bon, c'est bien décidé. Cette fois, c'est nous qui t'imposons ce procès de classe. Ce sera notre dernière confrontation et l'espoir va vaincre le désespoir. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu es certain de nous battre, c'est ça? Ne le trompez pas, il ne fait que bluffer, c'est certain. Qui sait? Et puis tout semble décidé, ne perdons pas de temps et rendons-nous au tribunal de classe. Une fois que ce robot aura été désarmé par mes Monokumé, cela va sans dire. J'en suis conscient. Bien, quant aux autres, rendez-vous devant le portail du temple de jugement. Je passe devant pour fignoler les préparatifs. Monokuma, à vous de jouer. Ok. Donc on va lui virer ses équipements 2-3 mouvements. Et 2 secondes, trop au plat, sans les mains, on sait le faire si bien. Comment on fait pour l'enlever tout ça sans les mains? Je vous dis à tout de suite. D'accord. Mon dieu que c'est long, hein. Ben, pas si long que ça, techniquement parlant, parce que franchement, je pense que j'ai fini en moins de 2 heures. Kibo quitta le jardin accompagné des initiales en direction de son laboratoire. Bien, allons-y. Je ne m'attendais pas à ce que nous devions participer encore à ce procès, et moi, à ce que Monokuma accepte sans rien dire. C'est louche si vous voulez mon avis. J'imagine qu'il commençait à se demander si Kibo n'allait pas vraiment tout détruire ici. Mais Maki a raison, je pense qu'il s'imposerait un peu plus à ma proposition. Je pensais qu'il faudrait que je négocie plus avec lui. Sa réaction a dépassé tout ce que je pouvais imaginer, mais plus le temps de réfléchir à ça, nous allons devoir gagner, c'est tout. Et pour y parvenir, respecter les règles de ce jeu va être indispensable. Oui, nous allons devoir le battre sur son propre terrain. Bon, et bien, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère honnêtement que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. Donc, juste n'oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre un j'aime, de commenter et de vous abonner, s'il vous plaît, pour être toujours au courant quand les vidéos vont sortir. Et on va se retrouver pour le dernier épisode à une prochaine vidéo. Donc, bye à tous!